Mais... Most heaven, West Virginia. D'amour. Coucou Malilou, quel bonheur de te retrouver en émission le soir, ça faisait longtemps. Ça faisait trop longtemps, ben, les vacances, hein. On s'est pris un petit laps de temps où on s'est un peu posé parce que c'était nécessaire, hein. Franchement, Oui. c'était nécessaire pour tout un chacun. Comment tu vas, ma Julia, avec ton rhume? Ah ouais, j'ai une crève là, les amis, sacrée, hein. Mais bon, c'est comme ça, on est là. On est là, on ne doit pas se plaindre, les amis. On est là ensemble ce soir pour un moment, je vous avoue, ça ne va pas être facile, les amis. Hein, ça ne va pas être forcément facile d'entendre ce que nous allons entendre ce soir. Et en même temps, hein, Malilou, il le faut pour que ça s'arrête enfin. Oui. Et on ne peut plus d'actualité concernant David, hein, qui va Oui. nous expliquer qu'il est en procès actuellement en plus. Il est en train de témoigner
au tribunal de La Haye. Donc, je vais vous dire, les amis, c'est du très, très lourd ce soir, hein, du très, très lourd. Ouais. Absolument, absolument. Oui, Corinne, oui, excuse-moi, je vois un message. Lilou, quand tu as un moment, appelle-moi. Est-ce que c'est toi, Coco, qui m'a appelé par rapport à l'être souverain? Est-ce que c'est toi? Parce que j'ai oublié de t'appeler, de te rappeler. Et du coup, est-ce que c'est toi? Oui, alors du coup, je t'ai noté. Je te rappelle, dis-moi si c'est toi. Et à ce moment-là, je te rappelle, merci de ta patience parce que j'ai franchement, j'étais partie sur autre chose. Et j'y ai repensé en septembre, à la rentrée. Mais j'ai vraiment, je suis désolée, ma belle. Hein, vraiment, si est-ce que c'est toi? Dis-moi si c'est toi et je te rappelle alors, du coup, avec plaisir, avec un énorme plaisir. Donc, on accueille David. Hello, David. Bonjour, comment allez-vous? David. Bien, merci. Écoute, enfin bien. Julie avec son rhume. Moi, bien. Oui. Et toi, avec ton actualité. Donc, c'est surtout à toi qu'on va demander, mais comment tu vas? Comment vas-tu? Oui, comment vas-tu? Alors, j'ai eu 2 jours un peu fatigantes, de 8h du matin lundi jusqu'à 23h30, plus ou moins. Et aujourd'hui, de 8h jusqu'à à peu près 1h30, 2h de l'après-midi, j'ai commencé à faire mon témoignage devant les 9 juges de cassation de la Cour de La Haye. Donc, je suis tombé sur un des 9 juges que j'apprécie énormément, qui vient des États-Unis, que Lilou a déjà montré des vidéos de lui, qui a l'air très bien. Ils ne sont pas tous dans la salle où on se trouve, donc parfois ils sont en TV conférence, parce qu'ils habitent dans des pays différents, oui. Et c'est aussi une question de protection. Et voilà. Bon, attends, David, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, parce que pas forcément tout le monde regarde les apéros live. De qui tu parles? Le fameux juge numéro 1 qui lutte contre la Pizzagate aux États-Unis. Pizzagate, le Robert Steele. Voilà. Et qui préside la comité de cette réunion pour pouvoir dénoncer tout ce qui est pédocriminel international, intercontinental, appartenant à la cabale, le nouvel ordre mondial et tout ça. Oui, tout à fait. D'accord, super. Voilà. Donc, lui, je l'avais déjà montré, effectivement. Il a effectivement dit en plein tribunal que c'était avéré, que la pédocriminalité contre les enfants était avérée de la part des élites. Et il a complètement dénoncé, absolument, absolument. Et donc, toi, tu as été témoigné à La Haye. Donc, on va situer la Cour de La Haye. La Cour de La Haye, la première grande Cour de La Haye se trouve aux Pays-Bas, mais ils ont des bureaux un peu partout en Europe, dans tous les pays où ce qu'il y a les droits de l'homme. Ils ont des bureaux à Paris, ils ont des bureaux à Lille, ils ont des bureaux à Cologne, ils ont des bureaux en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, donc dans 32 pays où il y a les droits de l'homme, ils ont des bureaux. Exactement, voilà. Et à Cologne a débuté le grand procès des victimes des souliers rouges. C'est une enquête qui a duré plus de 10 ans, où des victimes se sont réunies pour pouvoir dire stop à tout ça, pour que ça ne continue plus à d'autres victimes, car ça continue encore aujourd'hui. Et si j'ai témoigné aujourd'hui à la Cour de La Haye, c'est que je suis moi-même victime des souliers rouges. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux dans le groupe, je pense, hein, qui oui. ne connaissent pas vraiment mon histoire. Donc, je vais d'abord un peu raccourcir un peu mon histoire pour arriver à ce deuxième procès. Donc, j'avais à peu près 5 ans et demi quand ma mère m'a mis avec ma grand-mère en foyer de juge en Belgique. Alors, les foyers des juges, c'est comme la DAS en France, hein, ça représente la DAS en France. Ce sont des foyers où ce que les enfants vont parce que ou ils sont orphelins, ou les parents ne savent pas s'en occuper, ou les parents sont accusés
qu'ils s'occupent mal de leur enfant et on leur enlève définitivement leur enfant et ils vont dans ces foyers-là. Alors, après, pour récupérer les enfants, c'est toute une galère. Il y a des parents qui ne les récupèrent pas du tout avant leur majorité. Et quand ils les récupèrent, ils sont dans des états carabinés. Et d'autres arrivent à récupérer, mais ils doivent beaucoup, beaucoup se battre de ce côté-là. Moi, ma mère n'a pas beaucoup, s'est pas beaucoup battue pour moi, à part pour me prendre quelques week-ends de temps en temps pour dire coucou chez ta mère, je suis là. Hein? Heureusement que j'ai eu mon parrain et ma marraine qui sont été là pour me prendre régulièrement, le plus souvent possible, pendant les fêtes de Noël ou pendant les vacances de Pâques, quelques fois pendant les grandes vacances, mais ils ne savaient pas me prendre tout le temps parce que j'étais à Bruxelles au début et puis eux, ils étaient à Lille, donc c'est assez compliqué. En plus, c'est deux pays différents, donc c'est assez difficile de tout voir et de tout se faire comme il faut. Alors, quand je suis arrivé à Rue de la Flèche, les premiers jours, c'est comme un enfant qui découvre une sorte d'internat. J'avais 5 ans et demi. Je découvre un groupe où je connais une cinquantaine d'enfants, où il y a 4 éducateurs qui nous gardent jour et nuit. Et là, je commence un thème normal. Bon, à 5 ans et demi, j'étais en dernière guerre, j'étais en première, j'allais en première primaire, donc je ne savais ni lire ni écrire. Normalement, on n'est pas censé savoir lire et écrire. Ça, c'était un premier fait. Deuxième fait, c'est que je suis né avec un handicap, mais ça, ce n'est pas trop important, qui a pu être réparé et j'ai pu faire des opérations pour guérir cet handicap par après. C'est pour ça que maintenant, j'essaie d'écouter avec des écouteurs. Voilà. Et dans le foyer, les premiers jours, ça s'est très, très bien passé. Bon, les éducateurs avaient l'air assez sympathiques, assez gentils. Ils étaient là pour nous surveiller, ils étaient là pour faire des jeux avec nous, pour nous mettre à la cour pour qu'on roule avec des vélos, tout ça va bien, nous faire manger, nous faire dormir, nous faire nos devoirs, et c'est comme ça. Donc, tout se passe plus ou moins bien jusqu'au premier week-end. Alors, le vendredi, je rentre au foyer à Rue de la Flèche, et là, on me dit, David, tu viens avec moi, on va te laver, on va t'habiller, tu vas partir. Moi, tout content, bon, je vais avec l'éducateur, on me lave. Donc, premier choc, c'est que d'abord, on me lave avec un savon à base de Dettol, puisque ça sent le Dettol, ce savon, donc je reconnais quand même le Dettol. Et après, on me lave avec du Sunlight, parce que c'est le savon normal que les enfants se lavent au foyer, dans les foyers, souvent, c'est avec du Sunlight en carré, comme ça. Donc, D'accord. on me lave. Après que je me suis lavé, on m'a habillé. Et on a mis un uniforme. Donc, j'étais content, hein, un petit uniforme super joli. Donc, chaussettes blanches, slip blanc, t-shirt blanc, chemise blanche, ça c'est pas mal. La pantalon bleu. Et après, j'avais une cravate parce que je suis un garçon, j'avais une cravate bicolore. Donc, j'étais content. J'avais le bleu ciel et le bleu foncé. Tout content. Je monte à même quand je suis habillé, coiffé, bien pomponné. Je monte à mes camarades. Je vais rejoindre mes camarades qui sont aussi habillés comme moi, plus ou moins. Et je montre mes camarades, mes bien-aimés, je montre mes deux couleurs de. Je suis tout content, je montre ma cravate avec mes deux couleurs. Et puis je vois que dans mes camarades, il y en a qui pleurent. Parce que eux, ils savent ce qui va se passer. Et moi, je suis content. Et d'autres nouveaux sont contents aussi. On est bien habillés aussi. On va sûrement aller à une soirée, on va faire une fête. Donc, c'est pour ça qu'on est bien habillés. En général, quand on s'habille bien, c'est souvent pour ça. On se met en rang. Et vers 4h30, 5h, on part, on prend des bus, des bus d'école où on met 60 enfants dans les bus. À l'époque, je ne savais pas compter, à 5 ans, nous, on ne sait pas compter, mais quand je vais grandir, parce que ça a quand même duré jusqu'à l'âge de mes 16 ans, quand je vais grandir, je vais apprendre à compter. Donc, je sais qu'on est 60 enfants par bus. Je sais qu'il y a 5 bus à Rue de la Flèche qui partent le vendredi. Et que samedi, il y a 5 autres bus qui vont partir, et que dimanche, il y a 5 autres bus qui vont partir pour aller ça à celui-là. Et puis, il y a que 6 bus qui reviennent à Rue de la Flèche. Donc, comme ça, vous avez calculé le nombre d'enfants qui ne vont pas survivre à ce week-end. Alors, je suis Sont les désolé, amis. hein. Alors, Voilà. attends, David, il faut qu'on précise 3 secondes. Dans chaque bus, il y a 30 enfants ou 60 enfants, je ne sais plus. 60. 60 enfants par bus. 60 enfants par bus. 60. Il y en a combien qui Et partent?
Il y a 5 bus le vendredi, 5 bus le samedi et 5 bus le dimanche. Il y en a combien Et il qui n'y a reviennent? 6 bus à peu près. 6 sur 15. Donc, ça fait 300 enfants par bus, d'accord? Vous Non, comptez, hein? 60 par bus. Ah, pardon, 60 par bus, ça fait 300 enfants en tout. Oui. 300 multiplié par 3 bus, c'est ça? Ouais. 60, hein? Donc, ça fait 300 multiplié par 5, ça fait 1005. Et il revient 6 bus, c'est-à-dire 120 enfants. Donc, il y a un truc voilà, qui cloche, quoi, quand même, hein, les amis. Hein. C'est une horreur. Oui. Voilà. Alors, quand on arrive dans le domaine en question, d'abord, c'est un immense bois qu'on arrive où il y a plein de militaires. On rentre après les contrôles, on rentre et on découvre. Là, je découvre que, en fait, nos bus se rejoignent par d'autres bus venant d'autres foyers, d'autres enfants qui viennent d'autres foyers. Et là, ben, moi, j'ai que 5 doigts dans la main. Bon, à l'âge de 5 ans, j'avais compté jusqu'à 5 parce que on m'avait appris, j'ai 5 ans, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc pas plus. Mais par après, j'arrive à compter, quand j'ai commencé à compter vers 8, 9 ans, j'ai commencé à compter le nombre de bus qui arrivaient le vendredi. Et puis, on nous disait bus numéro 130, bus numéro 427. On lui disait les numéros des bus, de quel bus on venait, de quel numéro on était. Donc, je disais, on est énormément d'enfants, donc il y a sûrement une grosse fête qu'on va faire avec des enfants. C'était la première fois que je venais, j'avais 5 ans. Et on nous envoie dans un réfectoire au rez-de-chaussée. Donc, on passe devant un grand château magnifique, bien éclairé, avec des belles lumières, avec des personnes superbement bien habillées, des adultes qu'on ne connaît pas, bien habillés, costume, cravate, hyper tip-top. Et on passe sur le côté gauche, on descend un petit peu plus bas, et là on arrive à ce qu'on appelle la base militaire de ce truc. Et dans un des blocs centraux, en forme de U, c'est en forme de U, sur le côté, il y a le U, sur les deux côtés, c'était les dortoirs, et au-dessus, c'était au rez-de-chaussée le réfectoire, et au-dessus, les étages où on pouvait jouer s'il faisait mauvais. Quand il faisait beau, on pouvait jouer dans la cour. Mais on était surveillé par des militaires automatiquement, donc on ne savait pas quitter la cour sans être. Si on quittait la cour, c'est qu'on venait nous chercher. Donc, des gens qui venaient nous chercher connaissaient notre nom. Donc, à un moment donné, on devait se mettre en file et on disait les noms d'un tel et les gens et les enfants partaient. Et quand on est arrivé, on est rentré, on est parti au réfectoire, on a mangé. Ben, c'était le vendredi soir, on a mangé de la purée avec des fictiches. Et de la compote, donc ça, tous les enfants adorent, donc il n'y a pas de souci. Côté nourriture, on était bien nourris. Ça, on était nourris correctement et tout. Puis on avait un dessert, un petit flan au caramel, un petit yaourt, un petit pudding ou un truc comme ça. Et après, on nous mettait par catégorie de groupe, donc on nous séparait. Il y avait, moi, j'avais un bicolore de bleu, bleu ciel et bleu foncé. J'ai été avec les nouveaux enfants, parce que j'étais là, j'étais la première fois que j'étais là. Donc, tous ceux qui venaient pour la première fois, ils allaient ensemble, ils allaient au premier dortoir du côté droit, rez-de-chaussée, et puis on les fait monter au premier étage, puisque le rez-de-chaussée n'était pas réservé pour les enfants, réservé pour ce que réservé pour ma catégorie. Et puis, ça prenait une demi-heure, 1 heure, on triait les enfants. Et les enfants, on savait quel enfant allait là ou quel enfant allait là, parce que les éducatrices qui nous connaissaient du foyer nous accompagnaient. Donc, ils savaient où est-ce qu'on devait aller et tout, quoi. Et dans quel groupe on était. Et dans le groupe d'enfants où on était, on avait à côté, on avait une sorte de petite pochette ici sur le côté avec un numéro de code qui dit, ça, c'est l'enfant d'un code de ce groupe-là, et point, c'est tout. Donc ça, j'avais oublié de dire les fois précédentes. Mais ça m'est revenu, vous en faites pas, il y a des choses qui me sont Eh revenues, ben oui. ces dernières choses. Eh ben Voilà. oui, parce que quand tu témoignes, évidemment que tu te replonges dans l'histoire et que du coup, il y a des choses qui te reviennent. C'est normal. C'est tout à fait logique. Tu te remets dans l'instant pour donner un maximum de faits. Voilà. Il revit tout ça. Eh oui. Ouais, je reviens de ça. Donc, au monde des dortoirs, et ce sont des dortoirs à peu près de 50 enfants par dortoir, et lit jumeau à chaque fois, on nous montre notre lit, on nous pose sur notre lit,
Mais on n'a pas le droit de se déshabiller, on doit rester assis. On peut parler entre nous, mais rester calme et assis et pas trop bouger parce que on va chiffonner nos chemises et c'est pas bien et pas dit pas ça. Et au bout, on entend des enfants en bas qui crient parce que on a séparé des groupes des enfants. En fait, moi, je suis bleu ciel et bleu foncé, mais il y a des enfants qui ont des écharpes, la couleur rouge, il y a des enfants qui ont la couleur brune, il y a des enfants qui ont la couleur verte et c'est pour différents trucs bien plus spécifiques. Alors, maintenant, on va rentrer dans un détail un peu plus ardent. Désolé pour vous. Hein. C'est que celles qui avaient les écharpes bleu clair étaient réservées aux femmes, à la sexualité des femmes. Ceux qui avaient les écharpes, la couleur bleu foncé, étaient réservées aux hommes. Et D'accord. ceux qui avaient le bleu clair et le bleu foncé dans leur couleur d'écharpe, ou cravate, eux étaient réservés aux femmes et aux hommes. C'était pour les deux automatiquement. Voilà. Ça, c'est la couleur bleue. La couleur rouge était les enfants qui allaient être sacrifiés par la chronochrome, par les bains que les gens prenaient, et aussi pour, j'expliquerai plus tard ce qu'on faisait aussi avec le sang, qui n'est pas très marrant, qui n'est pas très comique. Ensuite, il y avait des gens qui avaient des cravates brunes. Les cravates brunes, c'était réservé pour être des plateaux repas. Qu'est-ce que je dis par plateau repas? On les mettait à nu, on les couchait sur les tables et on installait de la nourriture crue ou des sauces sur eux et sur les tables. Et après, on mettait les assiettes, les couverts et tout ça autour des enfants. Et les gens venaient s'asseoir et manger et prenait des sauces sur les corps des enfants et rigolait. Parfois, il léchait même l'enfant quand il y avait de la sauce et des trucs comme ça, mais il ne pouvait pas aller plus loin que des trucs comme ça. Et puis, il y avait des cravates noires. Ça, c'est des enfants qui étaient sacrifiés par chasse. Là, la chasse, je sais Chasse que à cou, Lilou en ouais. a déjà parlé. Tout Ouais, à la fait. chasse à cou, des enfants Qui étaient poursuivis, qui en fait. ont. Ce sont des enfants qui sont poursuivis. Ils leur courent après, etc. Ils sont chassés. Ça fait de l'adréno... enfin, ça fait du stress et de l'adrénaline chez les enfants. Et après, ils sont sacrifiés. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils les castrent et ils mettent Pénis, leurs appareils leur génitaux, sexe. leur sexe en... comment ça s'appelle? Tu sais, sur un Sur des livre, plaies, un trophée, un voilà. trophée sur des Comme un tableaux trophée, voilà. avec le nom, le prénom de l'enfant, l'âge de l'enfant. Et surtout de quelle famille peut venir quoi. S'il venait d'une famille basque pauvre de certains pays, il était marqué automatiquement dessus. Voilà. Voilà. Et quand Et donc, toi, les enfants que tu as rencontrés à l'époque, ils étaient de plusieurs nationalités? on avait des enfants africains qui venaient d'Afrique et qui parlaient pas du tout français à Rue de la Flèche. Qui parlait pas un mot de D'accord. français et il savait pas qu'est-ce qui faisait ça. Et tout ce qu'on savait par les traducteurs, c'est qu'ils disaient que on nous a enlevés de nos parents et nos parents voulaient pas qu'on nous enlève. C'est tout. C'est tout. Incroyable, C'était c'est ça. des enfants kidnappés d'Afrique, d'Asie, d'Océanie. Il y en avait pas mal. Il faut savoir D'accord. que les enfants de Rue de la Flèche avaient entre 0 et 12 ans. Donc, et après, ils allaient dans d'autres foyers pour enfants plus matures, plus âgés, quoi, tout simplement. Donc, D'accord. moi, j'ai attendu pas trop longtemps, je crois que c'était une demi-heure, 3 quarts d'heure, avant qu'on vienne appeler notre groupe. On est descendu en rang d'Indiens, hein, comme des petits Indiens, hein, en rang, tenant la main d'eux. Et puis, on nous a dirigés par le beau château. On est rentré par une porte sur le côté du château où ce qu'on pouvait sentir l'odeur des cuisines parce que c'était pas loin des cuisines. Et sur le côté gauche, il y avait une grande pièce où il y avait un podium où on devait monter dessus, chacun à son tour, pour se faire prendre en photo de profil, de côté droit, du côté gauche. Et après, la personne faisait développer la photo, mettait dans un petit cadre et l'appliquait sur un grand mur dans le hall d'entrée
avec notre nom, notre prénom, d'où vous venez, de quelle famille on vient, patipatata, pour les enchères. Donc, moi, content, on nous montre, après on nous descend au moins un, où là, il y a d'autres enfants qui attendent, et chacun à son tour, on nous appelle les uns après les autres, et on remonte au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on va dans la grande salle, on va dans la grande salle principale, où on monte sur le podium, et là, il y a une espèce de personne qui dit, maintenant, combien voulez-vous mettre? Et c'est comme ça, où la première fois, avec le premier procès, j'ai su, mais avec le deuxième procès, j'ai vu les notes. Et à l'époque, c'était en francs belges, parce que c'était en Belgique, il n'y avait pas encore l'euro, et c'est monté à 495 millions de francs belges, ce qui veut dire, grosso modo, Paola de Belgique m'a eu pour à peu près 12 millions et des poussières. Combien? Je peux pas. À peu plus de 12 millions et des poussières. 12 millions? Oui. Ok. Mon premier mot, mon premier Mais chez moi. pour eux, c'est un jeu, Et c'est une vente aux enchères d'enfants. voilà. T'amuses, c'est pour eux, Voilà, c'est de la c'est une rigolade. vente d'enchères, l'enfant. Il faut savoir que l'enfant le plus cher est monté à 21 millions et c'était le fils d'une personne appartenant à la royauté. Donc, c'était pour ça qu'il était énormément cher, quoi. Et les enchères sont 200, 100 000 euros, 100 000 francs belges par échelon à l'époque, hein. Donc, ça a été assez rapidement. Et Paola m'avait vu au foyer Sainte-Marie parce que Paola était venue nous voir quelques jours plus tôt, était venue faire une visite avec son mari au foyer Sainte-Marie, tout simplement une visite officielle pour dire on s'occupe des enfants que les parents ne savent pas s'en occuper, patati patata. Et là, elle m'a vue et c'est là où elle voulait à tout prix m'avoir, donc elle m'a eue. Et quand elle a eu son, quand, quand on a dit bon, d'accord, ce sera vous qui l'aura, directement après, je suis quitté le podium, on m'a fait monter au deuxième étage. Où là, je suis rentré dans une pièce où j'ai attendu une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, on m'a refait redescendre au moins ça pour me déshabiller, enlever mes vêtements. On m'a laissé en slip. On m'a relavé. On m'a remis le slip. Et ensuite, on m'a mis dans une bassine de sang humide, mais du sang qui est encore chaud. Et ça c'est une chose que je ne me rappelais pas la première fois quand j'ai fait la première interview, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas oscillé, mais je n'ai pas dit. Et on nous met dans une sorte de bassine. Et ensuite, on nous sort de cette bassine, on nous met dans une sorte de drap. Et on nous monte dans la chambre, on nous couche sur le lit et on nous remet encore du sang par-dessus, parce qu'il y a du sang qui a coulé, on n'a pas assez de sang. Et quand Paola et quand cette femme est venue, elle puait le Chanel numéro 5, elle est venue en petite tenue lingère, ça veut dire qu'elle avait que un soutien-gorge et une culotte, et elle s'est amusée au début à me lécher elle a commencé par mes pieds, elle a commencé à me lécher par les pieds, puis elle est montée petit à petit, et puis pour finir, bon ben ça a été jusqu'à mon premier viol. Et c'est là où, moi, étant qu'un enfant éveillé, j'ai mon ange gardien, parce que moi j'appelle ça mes anges gardiens, me disait, ne pleure pas, ne crie pas, ne montre aucun sentiment. C'est très Eh oui, dur à un enfant de faire un blocage total, ah mais c'est mais clair. j'ai Mais fait ça un te blocage dissocie du total. coup. Mais oui, mais ça Voilà. te, quand tu dis un blocage total, en fait, ça veut dire que ça te dissocie de toi-même. C'est-à-dire que tu es obligé de Voilà. partir ailleurs pour pas ressentir, en fait. Et excuse-moi, Ils hein, parce que m'ont c'est tellement fort là que. fait quitter mon ils m'ont fait quitter mes anges gardiens m'ont fait quitter mon corps astral, C'est ça. mon aura de mon corps, ainsi que mon C'est ça. esprit de mon corps, pour qu'on joue avec moi comme une marionnette, et C'est comme ça. ça je n'ai moins de souvenirs. Mais des souvenirs, Et on puis en a moins de. quand même Voilà. qui Eh reviennent bien, à la longue. évidemment. Mais ça revient après. Mais en Où ça attendant, revient il y a une après. dissociation qui se passe. Et ça fait un. Ça fait des multipersonnalités derrière. Puisque tu es dissocié, tu es obligé.
Enfin, je veux dire, c'est... Bon, bref, continue, excuse-moi, excuse-moi, Oui, j'étais tu as le pas droit de interrompue. dire, mais c'est bien, que tu t'interviennes, j'aime bien. Et ensuite, quand ça a été fini, je suis redescendu au moins un, où là, j'ai dû reprendre des douches, des tôles, savon, me rhabiller. Et là, après, j'ai pu retourner dans mon dortoir où j'ai pu rester et dormir un petit peu, en m'amenant en pyjama et pour m'accoucher, l'appuyer les vêtements comme il faut, où j'ai pu dormir un petit peu. Et vers 1 h du matin, j'ai eu mon deuxième viol. Et puis voilà, comment ça a commencé pour moi le calvaire pendant tout un week-end. Puis ça a été un deuxième week-end, puis un troisième week-end. Puis ça a été tous les week-ends quand je ne rentrais pas dans ma famille. Automatiquement, systématiquement, ça m'arrivait. Et un enfant de 4-5 ans, il ne parle pas facilement à sa famille ce qui arrive, ce qui se passe dans les foyers. Mais c'est sûr, Et. comment tu veux trouver les mots? Comment tu veux trouver les paroles? T'as 5 ans. T'as 5 ans, comment tu veux trouver les paroles pour dire ce que tu as vécu? Et en plus, c'est ta grand-mère qui t'y a envoyé. Donc, Ma en plus, grand-mère, oui. c'est ta famille qui t'y envoie. Donc, comment tu veux trouver les mots en revenant dans ta famille pour en parler? C'est pas possible. C'est juste Non, une horreur. Comment tu fais? C'est pas possible. C'est pas c'était possible. pas plus, c'est pas Ouais. possible. Mais alors, il y a la chose la pire, c'est que à 7 ans et demi, j'avais une camarade qui était comme moi, victime depuis plusieurs années. Je ne citerai pas son nom parce que son nez est cité plusieurs fois au tribunal de La Haye et que on a retrouvé un frère vivant. Ce que ça m'a beaucoup soulagé qu'elle a quand même eu un de sa famille qui a survécu. Cette gamine a parlé à l'école. À 7 ans et Oui. demi, 8 ans, elle a osé de parler. Elle a osé dire à sa prof, Madame, dans les foyers, on nous envoie dans un château et là, on oblige un des messieurs à rentrer leur pénis à l'intérieur de moi ou à plusieurs hommes à pénétrer moi parce qu'elle ne faisait que pour les hommes. Et ça a été un choc pour la prof qui a voulu parler à son directeur. Le directeur connaissait les enfants du foyer parce qu'il était mêlé dans cette histoire-là. Et bien entendu, il en a parlé à la direction à la direction du foyer. La prof, du jour au lendemain, elle a été virée de l'établissement. On l'a congédiée, on l'a mise sur le côté, on l'a congédiée. Ils ont fait toutes les misères possibles pour qu'elle arrête l'enseignement et pour qu'elle se taise à tout prix. Et la gamine, quand on est arrivé vendredi, on l'a lavée, on l'a habillée. Et puis, on lui a pas mis la cravate bleu foncé, on lui a mis la cravate rouge, et là, elle a compris. Elle a compris que si elle avait eu la cravate rouge, c'est parce qu'elle avait parlé. Oh là Donc, là. suis désolé, je suis encore un peu enrhué, j'ai eu une petite bronchite également la semaine passée. Donc voilà. Pas de souci, pas de Donc, souci, pas de souci, David, pas de souci. si je vais boire un petit coup, je boirai un petit coup. Oui, bien sûr, bien Et. sûr. C'était une copine et moi j'étais étonnée qu'elle avait une cravate rouge et plus la bleue foncée et j'ai dit mais pourquoi on s'est trompé de cravate? Alors j'ai dit à l'éducatrice, à Elena, on s'est trompé de cravate, madame Elena, est-ce qu'on peut lui changer la cravate? Et quand je dis le mot Elena au truc de justice, ça m'est revenu le nom de cette éducatrice Elena, qui était une dame froide avec des longs cheveux foncés, très sévères. Et elle dit non, non, on s'est pas trompé, tu verras le pourquoi plus tard. Et on est reparti. Et ce jour-là, tous les jeunes qui avaient son âge, tous les jeunes qui avaient à peu près de 5 ans jusqu'à 16 ans, qui avaient des cravates bleues, on les a emmenés en bas et on a montré le sacrifice de la plupart de sa famille d'Elena ainsi que d'Elena. Et on nous a dit, si vous parlez, il vous arrivera la même chose à vous et à votre famille. Eh bien, Donc. évidemment, évidemment, évidemment. Alors attends, juste 3 secondes avant que tu reprennes. On te demande, Mel BM te demande dans quel procès tu as témoigné. C'est un procès qui a lieu à la cour de La Haye, les amis. La cour de la Actuellement, haie, actuellement. actuellement, Okay. qui a lieu dans 8 villes, 8 villes de 8 villes de 8 pays différents. 8 villes de Il y a 8 pays différents. Washington, New York, il y a Cologne, Berlin, actuellement, il y a Moscou
Et les autres, je ne sais pas. Ben, c'est déjà pas mal, Mais hein? Énorme. Donc, c'est déjà pas mal. continue. Alors, donc, on Voilà. vous a menacé de mort si jamais vous parliez. Si jamais on parlait, voilà ce qui nous arriverait également. Donc, on s'est tu et on a continué à avoir des sévices. Et j'ai continué à avoir des sévices pendant, jusqu'à l'âge de mes 16 ans, parce qu'après, j'ai quitté le foyer rue de la Flèche pour aller au foyer Sainte-Marie à Gers, où là, Excuse-moi, j'allais excuse-moi, ça veut dire que tu as vécu ça pendant 11 ans d'affilée? 11 années, oui. 12 années. 12 années tous les week-ends. Il y avait des week-ends que je rentrais chez ma mère, il y avait des week-ends où je rentrais, des longs week-ends où je rentrais dans ma famille. Donc là, je n'étais pas violée. Il y avait des périodes où je partais des vacances de Noël chez mon parrain. Donc je le remercie aujourd'hui. Je remercie ma marraine aujourd'hui parce qu'ils ont essayé de se battre pour essayer d'avoir ma garde, mais ils n'ont pas réussi parce que ma mère a tout fait contre, hein, aussi. Ouais. Parce que mon parrain avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'étais quelqu'un de triste, que j'étais quelqu'un de réservé, que j'étais Ma un foi. enfant avec des enfants qui avec des autres enfants victimes comme moi, je jouais avec eux, il n'y avait pas de problème. Mais avec les enfants qui n'étaient pas victimes et qui ne savaient pas ce que moi j'avais vécu, parce que ils l'ont pas vécu, je ne jouais pas du tout. J'avais un écart, mais complètement, de peur de parler, Ben justement. oui, mais et puis tu étais décalé, c'est normal. Ton vécu Voilà. d'enfant n'est pas le même que les vécus des autres enfants qui vivent quelque chose de tout à fait autre, Voilà. genre dans la normalité, on va dire entre guillemets, et qui ne connaissent pas ça. C'est tout à fait, ça te décale par rapport aux autres enfants, c'est normal. Oui, Julie. Je voudrais préciser, merci pour le commentaire de Duxteram, bien sûr, quelle force. Ce qu'il faut savoir et bien notifier, les amis, c'est que sur 10 000 enfants, il y en a 4-5 qui survivent à ça. C'est Hein, ça. David va vous le rapporter, mais la plupart se suicident, sont drogués, finissent mal. Hein. Comment vous voulez vous construire derrière tout ça? Un C'est pas cauchemar. possible. Mais c'est impossible. Tu imagines? Et heureusement, mais que tu as survécu, que tu sois structuré, cadré, tu vois, que tu aies un alignement. Merci mon Dieu. Mais waouh, quelle force et quel courage. Forcément. Forcément. Évidemment. J'ai un alignement, mais comme tous les enfants victimes de ces trucs-là, on souffre du syndrome de Peter Pan aussi. Et c'est quoi le syndrome de Peter Pan? Alors, on essaie de rester un peu enfant le plus possible, côté jeu, côté vie. Le syndrome de Peter Pan a plusieurs. C'est comme l'autisme et la Oui, troisième il y a limite, il y a plusieurs plusieurs. dimensions et il y a plusieurs facettes. Voilà. Mais Moi, je alors me suis rué dans le. toi, ça se manifeste comment? Parce que moi, c'est ça que je voulais te demander. C'est comment pour toi ça se manifeste? Parce que moi, je connais le syndrome de Peter Pan. Mais toi, ça se manifeste comment? Je fais plutôt dessins animés, films d'enfants. De ce côté-là, je restais très, très, très enfantin, quoi. Et très simple. Malgré que Ouais. j'ai eu une vie très complète derrière moi, je suis resté très enfant, très simple. Parfois, j'ai même maintenant Béton et Flamour qui sont les enfants de ma soeur Nathalie, qui ont 24 et 19 ans, qui me dit, tu sais, on est plus mature que toi, tonton. J'ai dit, oui, mais ils savent depuis peu de temps ce qui m'est arrivé. Je leur ai expliqué un petit peu, pas tout, mais je leur ai fait comprendre ce qui m'est arrivé. Véton, il comprend il me comprend bien que je restais côté Gaga Gugus. Et il dit, au moins, il m'a même dit, au moins c'est une protection que tu t'es construit pour te protéger toi et pour protéger ton être et ton aura. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. On se protège comme ça. Et donc, au fil du temps, on se met une barrière, on se met un mur devant soi, on ne parle pas facilement avec les enfants qui ne sont pas des foyers, on est assez distant, même avec le monde adulte. Hein, je vais parler avec un adulte, je suis quelqu'un de très sociable, ça on vous le dit, David, tu es très sociable. Quand tu apprécies quelqu'un, s'il a un problème, tu vas l'aider. Limite, tu vas vendre ta chemise pour aider la personne. Fais attention. Avant, j'étais un peu trop. Maintenant, je fais un peu plus attention. J'ai mûri quand même aussi. J'ai aussi des petits revers dus à ma gentillesse.
également. Donc, je fais déjà beaucoup plus attention, mais je suis beaucoup plus à l'écoute des autres et surtout à l'écoute des enfants. Et à 16 ans, j'ai eu un gros déclic parce que je communique astralement depuis tout petit. Je suis éveillé depuis ma naissance et astralement, je communique avec là-haut. Et depuis tout petit, j'ai dit, ma mission, c'est de prévenir, et ça c'est une de mes premières missions, c'est de prévenir ce qui m'est arrivé pour que ça n'arrive plus. Mais ma deuxième mission, c'est que je dois aider les enfants à devenir le plus vite possible adultes, ça c'est un fait, mais sans qu'ils souffrent ce que moi j'ai souffert. Et la meilleure chose pour que ça arrive, c'est de venir, de m'occuper d'enfants, de rentrer dans l'univers de l'enfance, comme l'éducation nationale, comme l'animation de la jeunesse et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, voilà mon domaine de travail à moi. Grâce à mon soutien familial, grâce à mes soutiens de mes amis, j'ai pu d'abord seul, parce que je n'ai pas eu ma sœur Nathalie ni Laure à côté de moi pour me soutenir, comme elles me soutiennent maintenant. Tout de suite, parce que quand j'ai eu 16 ans et demi, j'ai fini mes études à 16 ans et demi, mes études secondaires, je les ai finies à 16 ans et demi. C'est extrêmement tôt, parce que d'un côté, on se fait violer, mais l'autre côté, pour oublier les viols répétitifs que j'avais les week-ends, j'étudiais. Je me suis mais rué dans les études. Je me suis canalisé dans les études pour Un échappatoire. réussir à tout prix mes études. Un Non. échappatoire. Et à cause de ça, bon, ben, j'ai sauté des classes. Et bien que côté flamand, c'est assez difficile, mais j'ai sauté des classes et ça m'a permis d'avoir fini mes études plus tôt. Donc, une fois que j'ai eu 16 ans, on a proposé le juge qui s'est occupé de mon dossier était trop âgé. Il a donné à Madame Paquette, qui elle était un juge pour enfants qui connaissait pas le monde. De là-haut, hein, on va dire, hein. Elle ne savait pas ce qui se passait parce qu'elle venait d'être tout fraîchement nommée juge de la jeunesse et elle a proposé à ma mère de me reprendre, or qu'elle était enceinte d'Aurore, de ma petite sœur Aurore. Et ma mère a dit, j'attends un bébé, c'est une petite fille et il est hors de question que son frère perturbe ma fille parce qu'il était éveillé. Bon, ben, quand on attend ça devant un juge, Ouais. le juge dit, mais vous savez, il a fini les études secondaires et il veut faire des études plus haut pour l'éduquer, pour l'aide aux personnes et l'aide à l'enfance. Alors, on a déjà trouvé une école à Bruxelles pour qu'il vienne tous les week-ends chez vous et qu'il aille à l'internat à Bruxelles, à l'université, il n'y a pas de souci. Non, non, je ne veux pas de mon fils. Il va perturber ma fille, il va perturber ma fille. Voilà ce qu'il a dit. Elle Incroyable. a osé de dire. Mais je l'ai pardonné, hein. Tous ces saloperies qu'elle m'a fait dans le passé, j'ai pardonné, j'appartiens encore aujourd'hui. Je ne parle plus depuis le 8 janvier de cette année-ci, je ne parle plus du tout à ma mère. J'ai coupé les ponts. Je risque de la voir par des soirées et des fêtes familiales, hélas. Mais il est hors de question que je parle avec elle. Je l'ai pardonné, mon aura m'a pardonné, mon âme l'a pardonné, mais j'oublie pas. Donc, je n'ai pas à communiquer à une personne comme elle. On n'est plus en accord, donc on n'a plus à communiquer ensemble, quoi. Voilà. Donc, Excuse-moi, vas-y, finis et puis après j'ai une question à te poser. ouais. Et là, on m'a mis en appartement supervisé pour mon indépendance. J'ai demandé à être anticipé pour avoir, pour vivre comme un adulte. Donc, le juge m'a dit oui, tu es assez capable pour le faire. Et on m'a mis en appartement supervisé jusqu'à l'âge de mes 18 ans, où là, j'ai étudié la journée, j'allais en études, et le soir, j'ai travaillé au Starmania, un restaurant spectacle travesti. Non, tu peux poser ta D'accord. question. Raconte-nous ce que tu nous disais tout à l'heure par rapport à ton témoignage et ce que tu as appris, c'est-à-dire qu'ils avaient des preuves. Alors, lundi, quand je suis arrivée là-bas, j'étais assez. On va pas dire que j'étais assez joyeux, hein. C'est pas du tout ça. J'étais un peu inquiet à l'intérieur de moi. J'étais un peu anxieux. J'ai fait Des respirations. beaucoup,
Beaucoup, beaucoup. La nuit des dimanches à lundi, j'ai pas bien dormi du tout. Parce que j'avais quand même une appréhension, une peur. Parce que là, j'allais parler à des gens qui se battent justement pour me protéger, qui se battent pour que ça ne recommence plus. Et dans un sens, je me disais, est-ce que ça va marcher? Parce que la première fois, ça n'a pas marché, mais est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne? Et quand je suis arrivé, on m'a demandé mon prénom, mon nom. J'ai commencé à vous raconter la même histoire que je vous ai racontée. Et après, je suis rentré dans des détails avec Pierre, Paul et Jacques. Et à un moment donné, il y a, bien entendu, les avocats qui défendent tous ces salopards. Un des avocats dit, oui, mais vous êtes un menteur, monsieur. Et là, j'ai un de mes avocats qui dit, non, mon client ne ment pas, nous avons des preuves, il y a des vidéos. Je savais qu'il y avait des vidéos, mais je ne savais pas qu'il y avait des vidéos de moi. Et là, il a montré la première vidéo de mon premier viol que j'ai eu, de comment ça s'est passé de A à Z. Quand je montais dans la, quand, quand on m'a lavé, quand je suis monté dans le bus, quand je suis arrivé, quand on m'a mis sur le podium pour ma sélection, ma première sélection, quand on m'a lavé, qu'on m'a mis ce sang sur moi, qu'on m'a couché sur le lit. Et là après, j'ai regardé l'avocat qui m'a traité de menteur. J'ai dit, et ça, c'est moi. Je lui ai dit devant l'avocat. Et l'avocat dit, ben, vous devrez être en train de pleurer et déprimer. Je comprends pas, vous n'avez pas tout ça. Je dis, mais écoutez, là, j'avais 5 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 50. Il y a 45 ans qui a pratiquement passé là-dessus. En 45 ans, j'ai mûri. En 45 ans, j'ai appris à me protéger moi-même pour pouvoir attaquer les gens qui m'ont fait du mal. Exactement, Le, exactement. L'avocat était beaucoup plus jeune que moi. Il n'a pas su quoi répondre. Et le juge m'a demandé après, excusez-moi, mais on ne lui a pas donné l'autorisation de parler, donc continuez votre plaidoirie. Et j'ai continué ma plaidoirie et ils m'ont montré mais, plusieurs vidéos avec moi, avec plusieurs personnes qui m'ont violé, des personnes dans la royauté haut placée, comme Paola de Belgique, Albert II de Belgique, Philippe de Belgique, le roi actuel de Belgique. Il était très jeune. Et quand ça a été le tour de Philippe, en fait, c'était pas la première fois qu'il violait un enfant, un plus jeune que lui, mais c'était parce que la famille royale voulait lui apprendre comment avoir des relations comme il faut avec une personne. Ah, Donc, il fait voyons. ça avec des plus jeunes. Donc, je me suis dit, mais voyons quoi. Il dirige encore le pays et hier, il a été bouffé à l'enterrement de cette crétine de 93 ans. Et ils ont fait la fête et tout ça, jusqu'à pas d'heure. Et moi, j'ai témoigné. Et moi, je suis ici ce matin en train de témoigner alors que lui, il fait la fête, quoi. La fête d'un faux décès. Je peux... pardon, vas-y, ma Julie, parce que... Oui, vas-y, vas-y. Non, non, c'est par rapport aux questions du chat. Beaucoup Ah ben demandent voilà. comment ça se fait que tu as eu Ben des voilà. vidéos, comment, d'où viennent ces vidéos. Mais ils filment tous ces gens-là. Oui, mais Mais comment ils les ont en fait, récupérés? Comment ils les ont David, récupérés comment ils et les ont récupérés? voilà. Alors, les trois quarts des vidéos ont été récupérées entre 2001 et 2004. C'est dans cette période-là où les premiers juges ont fait les perquisitions. Ils ont commencé à faire des perquisitions et des pré-enquêtes. Donc, c'est grâce à ça où ils ont découvert des vidéos. C'est la même chose, hein. Ils sont descendus chez Obama pour trouver une vidéo avec le petit président de France, hein. Donc, c'est exactement la même chose. Et étant donné que ils ont fait une perquisition au Palais Royal de Belgique, ce qui n'est pas encore officiel, hein, ils ont fait des perquisitions au Palais de Buckingham Palace, hein, en Angleterre, parce que la sœur le frère du roi, puis deux de ses enfants sont éclaboussés par différents faits de pédophilie et pédocriminels, qui fait qu'il y a des perquisitions qui se font. Et en fait, ces gens se sentent scrupules. Mais le pire, c'est que le Palais Royal en Belgique, ils ont découvert des souterrains avec toute une ville souterraine, avec tout ce qu'il fallait pour leur plaisir et leur bien-être, avec des trains qui peuvent relier Paris, Londres,
New York et tout ça. Donc, ils sont au courant de tout ce qui se passe, mais pas que sur la pédocriminalité. Ils sont au courant de d'autres choses qui sont bien plus haut et qui sont bien plus importants, que j'ai déjà un petit peu parlé, hein, quand je dis, avec leur tram, hyper rapide, ils vont en 7-10 secondes, Paris-New York. Absolument. C'est extrêmement, extrêmement rapide, quoi. C'est ça. Extrêmement rapide. Ils ont la Par le technologie souterrain. qui nous Ils ont cache une depuis des... technologie. Donc, Ils ont une technologie. ce qui veut bien dire, du coup, les amis, parce que ça, on n'était pas au courant, que en arrière-plan, derrière le voile des apparences, ils agissent. Oui, Ils les agissent quand vidéos, même. elles sont sous scellé. Elles sont Exactement. récupérées. Et il y en a combien, tu nous as dit en off, justement, David? Énormément, hein. Ils en ont énormément. Hein. Sur moi, ils ont des mois et des mois et des mois de vidéos sur ma personne. Et sur chaque victime, ils ont des mois et des mois de vidéos, quoi. Dès qu'une nouvelle victime, dès qu'ils voient des enfants, ils essayent de retrouver. Maintenant, ils essayent de retrouver des enfants vivants, mais qui n'ont pas témoigné, qui sont pas témoignés. Et là, actuellement, il y a des anciennes victimes qui ont été mis dans des qui sont dans des maisons psychiatriques depuis leur sortie de leur lycée, hein, tellement qu'ils sont Oui. devenus zinzin à cause de tout ce qui leur est arrivé. Et ils sont en train de reprendre ces gens en main en disant qu'il faut l'aider, leur enlever les saloperies commises dans leur sang pour qu'ils puissent parler. Parce que s'ils parlent, ça sera des témoins en plus. Il leur Absolument. faut énormément de témoins en plus. Et ça leur sauvera aussi la vie parce que certains ont fait des overdoses des poisons à rester à l'hôpital pendant 20-30 ans sur ces médicaments. Et ils ont fait aussi des essais médicaux sur certaines victimes qui sont arrivées dans des centres psychiatriques, qui ont disparu des centres psychiatriques pour être mis dans des trucs sur le côté, pour être des cobayes médicamenteux pour essayer des nouvelles expériences. Ils savent tous ces trucs-là. Et quand j'entends que moi, j'ai pu être sauvé parce que j'avais une famille encore derrière moi, j'avais mon parrain, j'avais ma marraine, j'avais des cousins et des cousines, et ça faisait qu'on ne pouvait pas me faire autant de mal et me mettre en prison ou me mettre dans un centre psychiatrique. Mais il y a des jeunes, vers 14-15 ans, qui se sont suicidés. Moi, j'ai connu Ben évidemment. Philomène. Elle a commencé, elle s'est mariée, elle a eu deux petites filles, mais elle n'a jamais pu se remettre à ça. Elle est tombée dans la drogue, elle s'est suicidée avec une overdose de drogue à cause de ça. Il y a Marie-Hélène, n'a pas supporté, elle s'est suicidée dès qu'elle est sortie du foyer. Jean-Michel, il est devenu hyper agressif, parce qu'il y en a qui deviennent psychopathes Ben à cause de évidemment. ce qui leur arrivait. Et tue des gens, il s'est retrouvé en prison. Bon, ben, malheureusement, il s'est suicidé en prison parce qu'il n'a pas pu se remettre de tout ça. Et il y en a d'autres, par contre, ils passent ou au suicide ou ils sont exterminés parce que quand ils essayent au début, quand ils sortent et qu'ils ne savent pas qui aller trouver comme il faut et qui commence à parler, on les fait taire. Ça, c'est la plupart des gens. Exactement. Maintenant, depuis 2, 3 ans, énormément de trucs est en train de bouger. Si jamais Sego me voit, t'inquiète pas pour ta fille. Les foyers, il y a beaucoup de foyers qui sont surveillés. Donc, ils ont dû changer leur méthode pour pouvoir accueillir des enfants parce qu'ils continuent encore à faire des sacrifices et tous les trucs comme ça. Il y en a sûrement eu encore hier après le souper avec tous les royautés qui se sont réunis. Il y a eu encore des sacrifices, ça, moi j'en suis sûr et certain. Il n'y a pas mort d'homme parce qu'ils ont une puissance, ils ont acheté, ils se croient des maîtres du monde et rien n'y fait, quoi. Le roi Philippe, il est parti là-bas, il sait très bien qu'il y a un procès avec des noms de côté de nos, qu'il a été cité plusieurs fois, Mathilde aussi. Mathilde de Belgique, en plus, qui était psychothérapeute pour enfants, soi-disant. Voilà. Une psychothérapeute qui viole des enfants, c'est pas très psychothérapie, hein, qu'elle fait, je sais pas comment elle fait cette thérapie, mais c'est pas très très évident quoi actuellement. On sait que il y a le prince Laurent de Belgique
qui est contre tout ça, qui est à l'écart de tout ça avec sa femme Claire. Et à cause que lui, que sa femme Claire et que lui veut parler, ils ont énormément de problèmes. Mais ils aimeraient bien de parler, ils aimeraient bien de dire stop, ils aimeraient bien dire quand j'étais petit, j'ai dû assister à des trucs que je n'aimais pas et j'ai pas pu. J'ai pas pu et voilà quoi. Et il a énormément de problèmes, il essaie de mettre sur le côté du pouvoir. Exactement la même chose de ce qui est arrivé avec le deuxième fils de Lady Diana. Il est tombé amoureux d'une fille qui ne fait pas partie de la royauté. Et lui, il a décidé de protéger sa femme en disant, on ne fera pas à ma femme ce qu'on a fait à ma mère. Ça, c'est un truc bien pour lui. Hein. Mais dans une autre chose, on dit qu'il n'a plus de titre royal ni de princial. Et à part hier avec le dernier voyage de sa grand-mère, on l'a vu comment? En uniforme royal. C'est quand même un peu contradictoire. S'il n'est plus de la Oui. royauté, il n'a plus à porter l'uniforme militaire royal. Ni la barrette, il n'a plus à l'avoir. Il avait la barrette encore sur lui. Donc, il y a des trucs qui sont un peu contradictoires sur ce petit oui-oui. Moi, j'appelle le petit oui-oui parce que il n'est Le pas petit très, il est quoi? énormément. Le petit quoi? Le petit oui-oui. Le petit Ah, oui-oui. le petit oui. Voilà. Il a dit oui-oui à sa femme, donc il est contre ce que la famille fait à sa femme qui ont voulu faire la même chose que Lady Diana. Et voilà quoi. Donc, ce n'est pas une fille méchante, ce n'est pas une fille qui. Tout ce qu'on dit à la télévision, ce n'est pas. Tout ce que les télévisions disent sur elle, ce n'est pas vrai quoi. En fait, Absolument. c'est une fille qui s'est comportée comme Lady Diana. Et le fait qu'elle se comporte comme Lady Diana, on dit ah non, pas une deuxième. Alors, hop, on l'éjecte. Ça, Eh ben oui, c'est ça évidemment. qui a beaucoup de recul. Maintenant, les vidéos que j'ai vues lundi et ce matin, c'était un peu choquant. Ça m'a remis des mauvais souvenirs en tête qui vont pas être faciles à caser. Mais je sais que je suis quelqu'un de fort et je sais que dans 2, 3 jours, j'aurai mis dans un coin de ma tête à ne pas oublier, parce que je ne dois pas l'oublier, parce que ça ne va pas arriver à d'autres personnes, tout simplement. C'est Voilà. ça, exactement. Et grâce à ton Voilà. témoignage et ta force et ton courage et le fait d'avoir résisté à tout ça et d'être en vie aujourd'hui et debout et de témoigner de tout ça, ça va finir par s'arrêter. Il faut Oui. vraiment que ça sorte et que ça se sache que ça suffit. Ça suffit, c'est plus possible. Mais on Absolument. reçoit des menaces, hein. Attention, on Ah reçoit des menaces bon? on a quand même, oui, Oui. j'ai quand même reçu il y a quelques semaines passées des menaces quand même, parce qu'ils savaient qui vont témoigner, qui sont les témoins, qui sont les victimes qui vont témoigner. Et j'ai quand même eu des menaces. Et hélas pour eux, je ne peux pas dire pourquoi ni comment, mais je me suis rendu compte quand même depuis 1 an que j'étais pas surveillé à mon insu, que j'étais surveillé pour me protéger en surveillance totale. Voilà. C'est plutôt bon signe. Alors ça, c'est génial. Ce que tu dis, c'est génial. Parce que ça veut Et que je bien suis pas le dire. seul. Alors, par contre, alors, est-ce que tu sais comment ils ont récupéré ces vidéos? Est-ce que tu as pu en avoir, toi, une trace? Est-ce que tu as pu leur demander, justement, d'avoir aussi, toi, les vidéos Des ou pas? vidéos? J'ai demandé pour avoir des copies des vidéos. Ils ne veulent pas me donner des copies des vidéos. Pour la bonne et simple raison, c'est que voir un enfant se faire violer, C'est terrible. Quelle c'est horreur. terrible. Mais si ça devait maintenant se montrer sur Facebook, ça serait une catastrophe pour les gens qui la verraient, hein, parce qu'il y a des gens qui seront choqués. Mais le pire, c'est que, par exemple, je connais Ségolène, qui a sa fille qui est dans les foyers. Imagine-toi les mamans et les papas qui luttent parce qu'on leur a enlevé leur enfant abusivement, que les gouvernements leur ont enlevé leur enfant abusivement. Ce qu'on peut faire à leur enfant, parce que eux, ils vont voir la vidéo et ils vont pouvoir faire une pression devant le juge avec cette vidéo. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. un double tranchant, quoi. Ça peut se Oui, mais retourner sur alors, ses parents. voilà. Ouais, moi, je ne te disais pas de récupérer les vidéos pour le mettre sur les réseaux sociaux, mais récupérer les Ah. vidéos pour toi déjà, tu vois, je veux dire, Mmh. parce que ça, c'est une Oui. preuve indéniable. Et Ah, en mais plus,
Et en plus, comment ils ont récupéré comment? Ils ont Perquisition. En fait, il y a des enquêtes qui se fait depuis le début des années 2000, 2002, dans les environs 2002, ça a commencé. Et en 2008, quand il y a eu la fameuse crise financière, c'était pour cacher justement les enquêtes. Et parce qu'il y avait justement les Évidemment, enquêtes qui comme commençaient à d'hab. exploser. Alors, C'est les ça. enquêtes qui vont exploser, au lieu que ça soit mis à la télévision, automatiquement, on va faire croire qu'il y a une crise économique. C'est plus facile, hein? Ça passe mieux. Et en fait, il y a des Absolument. juges qui se sont remarqués que des juges, des bons juges qui sont contre la pédophilie, qui sont contre la pédocriminalité, qui ont eux-mêmes été victimes de ces histoires-là et qui ont décidé de se battre pour ne plus avoir de victimes. Et voilà. Eh oui, Et eh oui. j'ignorais qu'il y avait des juges qui étaient des victimes et qui ont. Dans les 9 juges, il y en a 2 qui sont des anciennes victimes aussi des souliers rouges. Voilà, il faut dire un mot par mot. Et c'est eux qui ont dit, je fais une enquête sur ça, je veux ouvrir là, je veux ouvrir là, je sais que moi j'ai été violée là, donc il doit y avoir des preuves de là. Donc on va là, on prend, on perquisitionne, et grâce à ça, on trouvera un petit papier. Mais un petit papier, c'est un petit indice. Le petit indice nous montrera un autre endroit. Et puis c'est comme ça comment ils sont montés petit à petit. Et ils ont trouvé, par exemple, dans le château, quand il y a eu la première enquête dans le château, qu'ils ont trouvé, dans les souterrains du château, un endroit bien secret où il y avait toutes les vidéos possibles, imaginables, des anciennes victimes. Mais il est gardé parce que parfois, dans leur soirée, ils montrent ce qui s'est passé avec des anciennes victimes. Et des victimes qui ont mal tourné, comme par hasard, qui sont morts, qui sont suicidés de eux-mêmes, pour que la cabale et le nouvel ordre mondial ne puissent pas être inquiétés, quoi. Mais ils n'ont pas calculé que les 0,02% qui vont parler, eux vont parler, mais quand ils vont parler, ça va faire mal. Quand ils vont dire oui, je suis une victime, ça va faire mal. Moi, quand en 98, avec Gaëtan 1, Gaëtan 2, David, Louis, Fabio, on pensait qu'on était les seuls qui avaient déjà témoigné à la Cour de l'AE pour ces problèmes-là, ben, il y avait des gens qui ont été violés dans les années début 60, qui avaient déjà fait des procès et des témoignages là-bas. Et qu'il y a 3 juges dans la Cour de l'AE qui se sont dit, ce n'est pas normal, depuis les années 80, jusqu'à début 2002, il y a eu beaucoup de témoignages des gens qui sont venus porter plainte, qui ont cité des noms, qui ont dit des lieux où ça se trouvait et tout ça. Comme moi, j'avais dit les lieux, mais je connais pas le nom de ce château, parce que pour nous, c'était le château de la honte, et il porte bien son nom, hein, sur le château de la honte. Après, ça a été dans les Ardennes, dans le Spaneux. Le domaine militaire du sacrifice, là, c'était pas amusant du tout. C'était pas amusant du tout, ces 2 zones-là. Mais quand on découvre d'autres enfants victimes qui ont dit, oui, mais moi, j'ai été dans un autre endroit, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'ai été dans ce château-là, ou moi, j'ai été dans ce domaine-là, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils disent, mais c'est pas le même domaine que moi. Ce n'est pas les mêmes lieux que moi, mais c'est les mêmes personnes. C'était la famille royale du Benelux, plus la famille anglaise, plus la famille norvégienne, finlandaise, danoise, espagnole, italienne, donc je parle de la royauté, allemande, autrichienne. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun membre de la royauté hongroise. On s'est dit, mais il y a un problème, pourquoi il n'y a pas la royauté hongroise? Et hier, j'ai posé la question, j'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y a personne de la royauté hongroise qui a été accusé de ça? Et là, j'ai eu une excellente réponse. Ce n'est pas un juge qui m'a répondu, c'est une personne qui. Ils sont plusieurs personnes avec les juges, hein, qui parlent. Et là, il y a une personne qui m'a dit, la Hongrie a énormément de problèmes parce que c'est un peuple qui a une structure qui est très ancienne et que dans leur structure à eux, on parle des Anunnaki, on parle du nouvel ordre mondial, on parle des alliances galactiques et qui ont été faites et défaites. Et Bien sûr. pourquoi notre voilà.
tout ça, on parle. Et ça bloque les Hongrois à pouvoir dialoguer avec les Européens, or qui font partie de l'Union européenne. Là, on vient encore les punir en disant, ben, on vous supprime tout argent. Vous devez payer 20 milliards à l'Union européenne, mais vous n'aurez aucune aide, quoi. Donc, ils ont payé encore cette année-ci 20 milliards, parce qu'ils font partie de l'Union européenne, mais aucune aide de l'Union européenne encore cette année-ci, parce que la royauté hongroise, parce qu'en Hongrie, il faut savoir, ils ont un président et ils ont un royaume, donc ils ont les deux trucs, c'est aussi assez unique, un peu comme nous, hein. On a un premier ministre, mais notre premier ministre, il est dirigé par Macron, par le gouvernement français, parce que on est d'origine française, et puis on a un roi qui représente soi-disant le peuple, mais qui n'a jamais, à part Baudouin et Léopold III, les autres, ils n'ont jamais rien fait pour le peuple. Ils se sont enrichis, ils ont massacré des gens, ils ont violé, ils ont tué, mais c'est tout ce qu'ils ont fait, quoi. Hein? À part boire, manger champagne et foie gras, quand ils disent, mais vous savez, là, il y a des gens qui meurent de faim en Belgique, hein? Ah oui! Oh, ben, on va les aider, on va leur dire bonjour, on va leur donner une petite couverture devant, faire un grand sourire devant. Mais une fois qu'il n'y a plus de caméra, on n'a rien à foutre, on les laisse tomber, ces gens-là. Voilà. Donc, tout ça, c'est visuel et tout ça, on m'a expliqué ça en 2 jours et on m'a dit, bah, tu dois retourner jeudi et vendredi, plus lundi, mardi prochain. Et là, tu vas encore voir des trucs, on va encore t'expliquer des trucs parce que, y a des témoignages qui collaborent avec des témoignages, mes témoignages à moi collaborent avec des noms de personnes. Donc, d'autres victimes ont été aussi leurs victimes, mais pas au même endroit du tout. Il y en a que ça s'est passé en Allemagne, il y en a que ça s'est passé en France, il y en a qui viennent de l'Italie, il y en a en Espagne, il y en a en Angleterre, il y en a en Norvège, Suède, Finlande, tu vois. Donc, et. Alors, attends, David, 3 secondes. Nine, 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 c'est maintenant le procès à la haie, c'est maintenant que ça se passe, c'est actuel. Là, il revient de 2 jours, il va y repartir, il va vous expliquer qu'il va y repartir 2 jours et puis après encore 2 jours. C'est maintenant que ça se passe, c'est actuel, les amis, actuel. D'accord? Mais attends, Vas-y, que là, il y a les dis-moi. amis, là, ici. Mais là, mais vous vous rendez compte de vos commentaires, les amis, à un moment donné? Comment ça se fait que s'il y a eu des jugements, les gens ne s'est pas été arrêtés? Comment ça se fait? Est-ce que tu as enquêté? Mais comme ce sont des gens qui sont les plus haut placés, qui pratiquent ce genre de choses, qui sont infiltrés dans tout, surtout la justice, comment voulez-vous qu'ils soient condamnés ou condamnables? C'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par la cour de la haie et que ça prend du temps. Et que c'est parce que ce système est en cours, est en train de tomber aujourd'hui, qu'enfin ils sont écoutés. Enfin! Mais ça fait trop longtemps que ça dure. Mais les gens, mais Exactement. réveillez-vous à un moment donné. Bien sûr qu'ils n'ont jamais pu être arrêtés, ces gens-là, la preuve. Combien Mais vous. d'innocents, et ça, encore aujourd'hui, ça existe tous les jours. Mais Parce que les gens attends. sont. Et alors attends, ma Julie, je vais en remettre une couche. Et vous nous demandez encore des preuves. Les amis, vous nous demandez Incroyable. encore des preuves. Je pense qu'il Mais vous savez l'invente, quoi? comment? Faites votre enquête. Faites votre enquête. Vraiment. Renseignez-vous, hein. Vraiment. Alors, là, pour le moment, on n'est pas au procès. On est à la préparation du procès. Ça veut dire que le procès n'est pas encore commencé. D'accord. OK? Et avant moi, il y a eu plus de 2750 personnes qui ont déjà fait leur témoignage avant moi, qui ont Combien? vécu les mêmes choses que moi. Combien de Plus de personnes? 150? 2750. On est actuellement 2750 personnes qui ont qui dit, ont qui ont. témoigné avant moi. Oh les amis, 2750 personnes ont déjà témoigné à la cour de la Haye. Et là, c'est au tour de David. Et de tes copains, hein, de l'époque. Ouais. En tout cas, ceux qui Et veulent bien le faire. ça dure entre. Et ils nous ont dit, là, on en a pour 6 jours, mais on risque de vous reconvoquer pour d'autres trucs en plus, parce qu'on trouve des vidéos et eux aussi, aussi les juges, les jurys, les sélectionnés ils sont extrêmement nombreux à faire ces. À chercher la vérité, à pouvoir faire en sorte que ce procès ait lieu, et ça prend du temps. Mais le problème, c'est que les gens, ils disent, bah, ça doit aller plus vite. Mais c'est pas possible d'aller plus vite. C'est une enquête qui date depuis 1960. Il y a des gens qui ont porté plainte
ils ont été violés en 1960. Ils ont, moi, je vais avoir 50 ans le mois prochain, mais imaginez-vous, il y a des gens qui ont 65 ans qui portent plainte, qui témoignent leur violence qu'ils ont eue avant moi. Et il y a des gens qui sont nés après moi. Il y a quelques mois encore, j'ai vu une victime, elle a à peine 18 ans, à peine 18 ans, elle témoigne. Le mec, je lui dis, le mec et la fille, parce qu'il y a ses frères et sœurs, je leur dis chapeau. Je dis, ne prenez pas de médicaments, n'oubliez pas ce que vous avez fait et faites un travail sur vous. Vous faites du yoga, vous faites de la relaxation, vous parlez avec des anciennes victimes. Parce que moi, j'ai eu une chance de communiquer et de rester ami avec des anciennes victimes, qui fait qu'on a pu parler entre nous, parler entre nous, parler entre nous, parler entre nous. On s'est auto-psychanalysé entre nous. Mais n'allez pas avoir un psychiatre pour vous faire psychanalyser. Il va vous donner des médicaments en disant que vous êtes fou au début, automatiquement. Et ça, toutes les victimes qui ont été voir des psychiatres au début, on leur donnait des médicaments. Un psychologue, ah non, ça me... C'est trop important pour moi, je vais vous donner un psychiatre parce que lui peut vous donner des médicaments. Ben non, non, stoppez, faut arrêter ces saloperies. Parce que si on te donne des médicaments, ça empêche à ce que tu puisses te souvenir de ce qui t'est arrivé. Et si tu veux guérir, tu dois en parler, tu dois le crier, tu dois en parler. Et après, tu dois c'est à toi t'auto-psychanalyser. C'est tout. C'est une histoire importante. Et Ben je c'est ne sais pas clair. le premier. Excuse-moi, David, encore, excuse-moi hein, d'interrompre par rapport aux commentaires, mais je peux pas me retenir. Il me faut réagir. Il y a encore des questions complètement. Enfin, moi, je ne comprends pas vos questions, les amis. Alors, on a Elisette qui nous demande gentiment, hein, gentiment. Hein. Les gens ne se demandent pas où sont partis tous ces gens qui disparaissent. On t'a dit qu'ils venaient de foyers ou des fois, c'est même les familles qui vendent et qui donnent leurs gamins de ces dégénérés. Est-ce que vous comprenez, ou des orphelinats, Les des orphelinats, enfants les qui ont orphelinats. transmis. Mais vous comprenez, donc évidemment, ils ne vont pas utiliser des enfants qui vont vous retirer à l'école, là. Ils vont utiliser des enfants. Enfin, David, Qui s'il n'ont te pas de plaît, lien, réponds qui n'ont parce pas de lien, ou qui ont un lien que. familial qui Les collabore habitants à ce système. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a plusieurs solutions. Il y a des enfants qui Oui. sont laissés seuls au monde. Ça s'appelle les orphelinats, d'accord? Ils sont sans parents. Donc là, c'est super facile de les faire disparaître parce que personne ne va porter plainte. Personne. Et après, il y a des enfants comme David qui, lui, a une branche de la famille qui est branchée, enfin, qui est sur cette façon de fonctionner et qui vont dire, ouh là là, il avait raconté David d'ailleurs à un moment donné. Ouh là là, cet enfant, il est trop éveillé, il faut le casser. Il faut le casser en mille morceaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les prennent et ils vont les casser en mille morceaux en faisant ça. Voilà, c'est une horreur, les amis. Et ça fait des années que ça dure, des décennies que ça dure, des millénaires que ça dure. Voilà. C'est une religion pour eux de sacrifier leur enfant à Baal ou à Moloch. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut vous réveiller, les amis. Faites votre enquête. Voilà. Alors, on a Bérénice qui nous dit Oui. c'est bizarre, il n'y a que les États qui peuvent saisir la Cour de la Haye. La preuve Oh, vivante, on voit que non, non, Camille. C'est quoi absolument pas. Non, non, ces non. juridiques là? Mais non, mais ils croient n'importe quoi parce qu'ils ne se sont pas renseignés dans le réel. Tout simplement, faites vos enquêtes sur Internet, hein, les amis. Hein. C'est tout à fait valable. Hein. Vous tapez voilà, les chiffres, les vrais chiffres, les machins, qui se passent. En attendant à La Haye, moi, je connais des gens qui ont porté plainte contre Micro-Sarcolande et Balladur. Non, comment il s'appelle l'autre? L'ancien, oh là là, bref, peu Tous importe. à l'écart, Mais tous. ils ont porté plainte pour crime contre l'humanité au moment des Gilets jaunes, avec Castaner, voilà, Castaner et Micro-Sarcolande. Donc je veux dire, les amis, oh, vous pouvez aussi porter plainte à la Cour de la Haye, d'accord? Bien sûr. Il n'y a pas que les États qui peuvent porter plainte, hein? Oh, allô? Et même en France, on a des enfants qui disparaissent chaque année, on le sait, le chiffre est hallucinant. Et les gens, ils font quoi en France? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des enquêtes? Les gendarmes, ils laissent tomber les trois quarts du temps. Mais ne faites pas les hypocrites, s'il vous plaît. Et encore en France, c'est vachement minimisé à côté des pays hein, où on va créer des crises et la Croix-Rouge, etc., etc. Là, je vais vous dire, le réveil va faire Incroyable. mal à certains. Ça va faire mal. Mais Parce ça arrive. que ça suffit. Exactement. Désolé, On David, on t'a coupé un peu. Excuse-moi. De Non, mais rien. parce que. Ils Mais David, estiment David. que. Oui, vas-y. Ils estiment qu'il y a un enfant sur 2000 qui est européen pour les victimes.
Un enfant sur 2000 est européen. C'est ce qu'ils D'accord. m'ont dit là-bas. Mais Et c'est attends, déjà je énorme. suis. Oui, mais attends, je suis désolée. Un enfant sur 2000 est européen. D'accord? Mais les 1999 autres, ils sont quand même des êtres humains. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on s'en tape? Tu vois, des chiffres entre les Européens et les. Parce qu'ils sont tous dans le même état. Ce sont des enfants qui ont été maltraités, violés, violentés, tout ce que tu veux. Tu vois, donc je veux dire, moi, je m'en fous de la couleur de la peau, je m'en fous du pays d'appartenance. En attendant, ils sont traités de la même manière et ça, c'est une horreur. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça à un enfant. On n'en a pas le droit. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas, David? Oui, je comprends, C'est une mais horreur. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la couleur du sang, je m'en tape. C'est hors de question de faire ça à un enfant. Exactement, mais exactement. C'est la Tout moindre le des pareil à choses. travers le monde, hein. Tous ces Voilà. enfants, Voilà. tous C'est la les moindre enfants des du choses. monde. Tous, Bravo, qu'ils soient bien sûr. verts, jaunes, bleus, rouges, je m'en fous qu'ils soient violés, je n'en ai rien à battre. Ce sont des enfants. On n'a pas le droit de faire vivre ça à des enfants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. C'est vraiment, hein. Ben, je veux dire, allô, quoi. Allô. Ce sont des enfants. Et donc, toi, enfant, là, tu es revenu témoigner. Il y avait 2750 personnes qui ont été Plus enfants et qui ont témoigné avec toi. pour témoigner avant moi. Avant toi, d'accord. Et il y en a encore quelques milliers qui doivent témoigner après moi. Bon. Merveilleux. Qu'est-ce que tu te dis? Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu te dis? Que du coup, c'est en train de se passer enfin, que tu vas peut-être pouvoir obtenir justice. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ton esprit par rapport au fait que du coup, tu puisses remettre ça à table rase, poser tout sur la table et pouvoir tout nettoyer pour justement ben, te libérer, t'émanciper de cette histoire et rendre justice à tous les enfants qui ont vécu ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe en toi par rapport à ça? En moi, ben, il y a des. Je ne suis pas quelqu'un en colère. Je suis quelqu'un qui est soulagé, plutôt soulagé, Ouais. confiant. Je me sens sereine et je me dis, enfin, on commence à nous écouter. Yes. Ben oui, bien sûr. Enfin, on Enfin. commence à nous écouter. Enfin. 50 ans Et en. après, 60 ans après, enfin, t'imagines? Et puis, une chose que David n'est pas allé au bout tout à l'heure de son témoignage, puisqu'on l'a on a coupé, on est parti sur autre chose. Mais pour éviter que les gens parlent justement et que ça sache, hein, quand les gens parlent trop, justement, ce qu'il a vécu, Pour les David, c'est voir une pétaires. petite fille de sa famille égorgée. D'abord ses parents et après la petite fille. Et croyez-moi que de vivre ce genre de choses, des amis, ça refroidit de parler à qui que ce soit. C'est clair. Il y a des D'ailleurs, choses, et ça se passe en ce moment, je le sais, et c'est dur ce soir, je le sais. Mais c'est un mal pour un bien. la petite fille qui a été égorgée, qu'on a vu ses parents, ses grands-parents, ses oncles, tantes, cousins, cousines, par soulagement, ça m'a fait un peu du bien à moi. Et puis j'ai pu voir son petit frère, qui est 3 ans plus jeune que moi, et le voir qu'il est aussi fort que moi, qu'il vit lui en Allemagne. Il est parti vivre en Allemagne à Schaffhorn, tout près de la forêt noire. Hein. Et il est marié, il a des enfants, et il fait partie de l'association des victimes des petits souliers rouges d'Allemagne. Donc j'en suis aussi, hein. Et lui, il est dans le secrétariat de cette association. Il lutte dur et pur. Et ça fait que ça m'a assuré qu'il y avait un survivant de sa famille qui a pu refaire naître une nouvelle génération de sa famille. Sa femme est au courant de l'histoire parce elle était à côté de lui. Bien que sa femme, quand elle a entendu mon histoire, elle a pleuré et elle m'a dit, mais en plus, bon, je l'ai connue, donc, et je ne savais pas que c'était sa petite. J'avais 5 ans à l'époque, donc j'avais 7 ans, mais je ne savais pas que c'était son petit frère, quoi. Parce que lui, on n'était pas dans les mêmes groupes, donc on ne voit pas nécessairement les enfants des mêmes groupes, quoi. Et je ne savais pas que c'était son petit frère, et ça m'a fait plaisir. Mais sa femme, de l'avoir pleuré quand elle entend mon témoignage, lui et sa femme, ils viennent à.
Ça fait maintenant depuis 2014 qu'ils ont commencé à faire les auditions des enfants victimes à la cour de la Haye. Donc, vous voyez, ça n'a pas commencé hier, hein. Donc, ça prend du Absolument. temps. Parce que moi, déjà, minimum 6 jours, imaginez-vous pour les autres. Hein. Certains ont pris plus de temps. Il y en a qui parlaient 10 minutes, puis ils pleuraient, puis ils parlaient. Puis, donc, tout ça prend du temps. Il y a des gens qui arrivaient à pleurer, il y a des gens qui n'ont pas de larmes, et il y a des gens qui n'ont plus de larmes aussi. Ça arrive. Moi, on m'a posé la question de. Un des juges m'a posé la question, m'a dit, mais vous ne pleurez pas, vous n'êtes pas en colère, vous ne vous sentez pas en colère, vous ne pleurez pas et vous n'avez aucun sentiment quand vous parlez de tout ça. Je dis, mais alors j'ai expliqué que j'ai fait l'abstraction parce que j'étais un enfant éveillé grâce à mon aura et tout ça, et que c'est tout un apprentissage, c'est des années d'apprentissage pour ça et de se faire confiance. J'ai confiance en moi, en mon aura. J'ai confiance en Gaïa, j'ai confiance à la faune et à la flore, mais est-ce que j'ai confiance à l'humain? Le juge m'a dit, Exactement. mais est-ce que tu fais confiance à l'être humain? J'ai dit oui et non. Et le juge m'a dit, je vous comprends, monsieur. Après ce que vous avez dit, je vous comprends. Mais je lui ai dit, mais ce n'est pas que la faute de l'être humain. Il y a des êtres, parce que pendant le procès, et ce que j'ai un peu mis sur le côté, entredit, mais sans le dire, c'est que pendant ces soirées d'enfants violés, j'ai vu des êtres venus d'autres planètes, des dragons, des mantas, des petits gris, des grands gris, qui étaient là, qui étaient dans ces soirées. Donc, ils se sentent très protégés, cette alliance-là. Parce que le Nouvel Ordre mondial est dirigé par la Kabbale. La Kabbale est dirigée par les Dragomantas. Mais quand j'avais 22, 23 ans, je me suis posé la question, mais qui dirige les Dragomantas? Parce qu'ils Eh oui, ne peuvent eh pas oui, diriger comme ça. eh oui. Ils ont une structure hiérarchique. De leur propre clan galactique négatif, qui est beaucoup plus grand et qui est beaucoup plus puissant de ce qu'on croit, déjà dans notre voie lactée à nous, mais dans d'autres voies lactées, où là-bas, sur certaines voies lactées, ça appartient à 100% à eux, ils sont des maîtres suprêmes, ils ont aucun respect de la vie, ni des autres êtres. Alors, moi, sachant que je suis à 68%, comme tous les êtres humains sur Terre, on est à 68% des Pléiadiens, on a de l'ADN Pléiadien, comme toutes les espèces qui vivent sur Terre, et les 32% qui nous restent, nous sommes des Anunnaki, parce que les Anunnaki sont venus sur Terre, avec Absolument. un peu d'ADN d'autres espèces hyper évoluées, mais. Au-dessus de nous, il y a des groupes négatifs qui se font la guerre entre eux. Il y a des Oui. groupes positifs qui font la guerre actuellement aux groupes négatifs. Il y a eu des Absolument. trêves, il y a eu des compromis qui ont été faits pour pouvoir, dans certains systèmes solaires, avoir une certaine neutralité. Ça a été le cas dans notre système solaire. Et il y a tout ça qui est en jeu. Et ça, les juges le savent. Les gens qui sont dans la cour de la Haye le savent. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Parce que c'est Oui. d'abord à notre espèce, à nous, nous-mêmes, de dévoiler tout ça et de mettre les points sur les i et de faire des procès sur le mal du côté négatif qui s'est passé pour qu'on puisse évoluer vers les gens qui sont positifs. Parce que les gens positifs ne peuvent pas admettre tous les gens sur Terre, parce que tous les gens sur Terre ne sont pas positifs. Il y a des loulous pléiadiens, Anunnaki, qui sont avec les négatifs, avec les dragomantas, et tant que on les a pas mis les points sur les i et mis les visages et dit ils sont un tel et que tout le monde dit vous êtes un tel, vous n'avez plus le droit d'être avec nous,
Là-haut, ils ne bougeront pas. Ça, Ah, et c'est clair, c'est clair. c'est un fait qui m'a été dit. Nous, les Pléiadiens, nous, les Arthuriens, nous, l'Alliance des Centaures, nous, l'Alliance Galactique Positive, on ne bougera pas. C'est d'abord Ouloulou, Pléiadiens, Anunnaki à agir sur leur propre planète, sans la détruire, sans appuyer sur les boutons rouges de la bombe atomique. On va vous aider parce qu'on a des gens haut placés dans les dans certains gouvernements qui sont là pour nous aider, hein. Mais d'abord, il faut que tout ça éclate au grand jour. Et ça Exactement. éclate depuis certains temps, ça éclate dans les journaux de plus en plus. Vous voyez, la Pizza Gate, on en parle de plus en plus. Le cercle de neuf, on commence à en parler de plus en plus. Ça a commencé à froisser même ici en Belgique le roi plusieurs fois. On lui a posé plusieurs fois la question. Il y a un procès contre vous. Est-ce que vous êtes au courant que la Cour de la Haye a un procès énorme contre votre famille? Il n'a pas su répondre. Il a dit, ça ne vous regarde pas. On est là, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour autre chose. C'est tout. Et puis il est parti. Bon, ça, c'est ce qu'il a osé de dire. Bon, ben, tant pis pour lui, s'il continue à mettre des œillères et croire qu'il va pouvoir boire du champagne et du poivre tout le temps et bouffer des gosses, ça va pas durer longtemps parce qu'il y a des personnes comme moi qui se révoltent. On se révolte poliment, on se révolte avec respect parce que savoir Hop, hop, témoigner et hop, hop, rester calme, hop, hop. Ouais. Oui, vas-y, 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 excuse-moi. hein, savoir témoigner en respectant les gens qui nous ont fait du mal, c'est d'abord savoir se pardonner à soi-même et à savoir se dire, je ne vais pas te faire à toi ce que tu as fait à moi. Mais tu dois reconnaître que tu m'as fait du mal et tu dois être puni pour ça. C'est ça. Point, c'est Alors, tout. il y a deux questions. Il y a deux questions. Alors d'abord, Janine, Lily, je viens de Oh non, vérifier. non, non. Par Hein? pitié, dis-moi ça. Alors, on Dis-moi là. la retire. Ok. Allez, Dis-moi. hop. Surtout Ok. pas. Surtout pas. Au Attends, secours, merde. Voilà, ça y est, bon, c'est bon. Ok. Après, il y a une deuxième question. Est-ce que tu pourrais demander à David s'il a connu les balais roses en Belgique? alors, les balais rouges, c'est plutôt les filles qui ont entre 12 et 16 ans. Ils allaient au balai rose, mais oui, involontairement et indirectement, oui, j'ai connu parce que j'ai connu des filles qui étaient victimes des balais roses, ouais. C'est carabiné pour elles, aussi de ce côté-là. Et alors, c'est quoi la différence entre les souliers rouges et les balais roses? Ben, les balais roses, en fait, c'est que des filles qui ont été victimes de viols à répétition, en salon Ben comme, tournante. comme vous? Mais comme vous? Mais moi, j'ai été violée par une ou deux personnes à la fois, tu vois, mais pas plus. Mais c'était des filles qui étaient violées, mais par 50, 60, 70 hommes, et parfois jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement, d'être pénétrées. Ça, c'est les balais Ah rouges. putain, mais allô quoi. Donc tu Ça, veux c'est dire la que différence. toi, en fait, il y avait une différence de nombre de personnes qui pouvaient te violer, quoi, en fait. C'est juste une différence de nombre de personnes. C'est en fait la personne qui m'a acheté. Parfois Oui, c'était une, voilà, parfois celle c'était qui te deux. gagnait aux enchères, celle qui te gagnait Voilà. aux enchères, voilà, pouvait Parfois, t'avoir, etc. ils se mettaient en petits groupes de 4, 5, 6, mais ce n'était pas aussi nombreux que les balais roses, où certaines filles mouraient tellement qu'elles avaient des mecs l'un après l'autre, et vas-y, on va là, quoi. Et ça durait Mais des heures et évidemment. des heures, donc elles en Non, mais mouraient, évidemment. quoi, d'épuisement. Non, mais je Et rêve elles les n'étaient pas commentaires. consentantes. Non, mais Et parlez elles pour étaient. parler, la barrière résiste des noms, s'il vous plaît. Mais vous rigolez ou quoi? Mais toi, tu délires là, tu viens d'atterrir, gars? Des noms, Elles s'il n'étaient vous pas plaît. consentantes. Non, mais je. Ouais. Non, mais excusez-moi, là, je m'offusque parce que j'en reviens pas. Alors, où les gens arrivent en cours, là, ils sont à côté de la plaque totale. Des noms, il en a cité plein. Hein, il a eu le courage d'en citer des hauts placés. Hein. Donc, essayez pas de parler pour ne parler, ne résoudra pas. Vous rigolez ou quoi, les amis? Vous vous rendez compte de ce qu'elle est en train de se dire ce soir? Mais c'est quand même curieux. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus. Je ne sais vraiment pas. Les gens sont, tu vois, dans un déni tel qu'il leur faut, je ne sais pas. Il faudrait quoi? Que le roi, que tous les rois ou reines ou les machins, toutes ces espèces de monstres là, viennent en témoigner, viennent reconnaître leur tort pour que vous entendiez raison? C'est terrible.
Alors, moi, je vais reparler tout de suite, quand même 3 secondes, les amis. Si vous voulez, non. Eh bien, venez regarder Apéro Live. Hein. Je vais vous dire des noms, j'en donne. Hein. Je veux dire, je n'arrête pas de dénoncer. David n'arrête pas de dénoncer. Julie n'arrête pas de dénoncer. Vous avez des tas d'articles sur Internet qui n'arrêtent pas de dénoncer. Vous faites votre enquête, les amis. Arrêtez de nous demander quelque chose et allez faire votre enquête. 3 secondes. Parler, ça sert à... Mais j'aimerais bien le voir. 3 secondes. Mais les gens, mais ils n'ont aucune empathie, ne se mettent pas une seconde à la place de la personne qui témoigne. Il est où le respect, là? Ça me tue, moi. Moi, ça me tue, hein, excusez-moi, mais ça me tue. Ma Julie, il y a plein de gens qui ont énormément de respect pour David et qui témoignent. Oui, j'en vois mais évidemment. En faveur de David. Voilà, et on va se faire un tout petit peu plus open, et etc. Il y a des gens qui sont, enfin, des commentaires, là, je vois vos commentaires aussi. Véritablement, vous êtes en empathie avec David et vraiment, merci. Oui. Parce que c'est très dur. Et David, il a besoin de soutien. Il témoigne. Il a le courage de témoigner alors qu'il est menacé quand même. Donc, voilà. Alors, nous, chez nous, le son ne coupe pas, Nathalie. Donc, si chez vous, ça coupe ou que ça grésille, vous descendez, vous revenez. Mais beaucoup de gens te soutiennent, David aussi. Voilà. Et les gens qui arrivent et qui descendent du troisième étage de l'immeuble, eh bien, renseignez-vous et faites votre enquête. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on en parle sur la chaîne quand même. 3 secondes. D'accord ? Allô, quoi ? Hein ? Voilà. Le prince Andrew d'Angleterre est énormément cité, d'ailleurs. Hein. Je l'ai cité également au procès. Oui, le prince Andrew, oui, tout à fait. D'Angleterre. Il était à toutes les soirées où ce que j'ai quand j'étais jeune, il était à toutes les soirées où j'étais, quoi. Parce que c'était des ouais, soirées lui, où la famille royale. Voilà, la famille royale d'Angleterre était là. Oui, la famille mais royale d'Angleterre. Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Italie, Espagne, France, Allemagne, voilà. Autriche. France, les amis. Et voilà, Allemagne et Autriche, l'Europe, quoi, en gros. Hein. En gros, c'est européen. Pas toute la famille royale française, parce que la famille royale française, il y en a certains qui appartiennent aux Francs, et ceux qui appartiennent aux Francs, eux, ils savent ce qui se passe, hein. Ils savent comment ça allait, et ils n'ont jamais voulu de se marier de gré ou de force avec un membre de la famille royale portant le même nom de famille. Vous allez voir le nom de famille royale de la famille royale belge, italienne, anglais, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne et Autriche, c'est le même nom. C'est tous des Daco. Tous des Daco. Absolument. Famille que, je ne sais pas si c'est toi Julie ou si c'est toi Lilou, qui ne supportait pas cette famille-là, qui descend oui, d'une très grande lignée que les stars de Russie ont essayé de mettre à jour parce qu'ils sont pour le dieu Baal. Baal, c'est ça ? Absolument, Baal ou Moloch, peu importe. Voilà, le grand dieu en forme de taureau. Et le tsar de Russie, c'était avant Nicolas I et Nicolas II d'ailleurs, c'était bien avant, c'était Alexandre II. Il ne supportait pas ce genre de famille, parce que ce sont des familles de l'ombre. Et ce sont des familles de l'ombre qui se nourrissent justement de ses enfants, etc. Mais ça date de la famille Khazar. Ça date d'il y a des siècles, les amis. Ça fait des siècles que ça se passe. Des siècles. Et toute la famille royale Khazar, ben maintenant, toutes les têtes couronnées d'Europe, c'est tous des descendants d'eux. Il n'y a pas un seul qui ne descende pas de haut. Voilà. Ah, regardez, les amis. Regardez-moi ça. Énorme. Mais évidemment, c'est encore une annonce du discours narratif, les amis, pour commencer à vous faire peur. C'est faux, ça n'arrivera pas. Voilà, je veux dire, il y a tout qui se rassemble autour de cette date, mais tant mieux, les amis, tant mieux. Mais la guerre est déjà là quand on entend tout ce qu'on entend. Elle est déjà là depuis des siècles, elle est en train de se terminer, là. On est à la fin,
Les gens se réveillent à peine. Il y a des grosses révélations qui donnent à maman ou venir de Russie ou venir dans les presses de télévision européenne qui vont arriver le 16 octobre, qui va bouleverser la France, qui va faire une crise carabinée de révolte en France et qui va pousser le président Macron en début 2023 à démissionner avant de devoir se rendre à la justice. Et après, nous verrons la chute de toutes les royautés qui vont tomber les unes après les autres. Cette semaine déjà commence très fort. Je vous le dis, moi. Mais c'est clair. Avec l'enterrement de la reine. Avec l'enterrement de la reine. Ça commence très fort, oui. Je ne sais pas si vous savez si vous avez déjà entendu parler de la banque Belfus. Et qu'est-ce qu'est la banque Belfus? Ah ben, on ne sait pas ça. Vas-y. Voilà. Alors, la banque Belfux, c'était l'ING en point de départ. C'est la banque européenne de la femme des royautés européennes. Pourquoi? Non, on ne comprend pas. Non. En fait, c'est la banque qui appartient à toutes les familles royales de Belgique, d'Europe, cette banque. D'accord. OK. Dimanche, à 12h30, elle a annoncé qu'elle était en faillite. Voilà, c'est exactement ce que j'ai annoncé ce soir. C'est ce qu'il a annoncé, le Pobolny, là. Lui, il annonce ça samedi, hein, le 24 septembre. Le 24 septembre, il annonce le 24 septembre, toutes les banques tombent. Et lui, il ne le dit pas, hein, que les banques tombent. Mais en attendant, on le sait depuis longtemps que les banques sont en faillite. Hein. Il dit, ce n'est pas un crash économique, c'est un effondrement économique. Il y a bien une différence, là, les amis. Voilà, voilà. Donc, magnifique. Depuis dimanche qui vient d'arriver, ce dimanche-ci, la Fortis est en faillite et a été déclarée en faillite totale. Donc, le dimanche après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que plein de gens sont rués à la banque pour aller chercher leur argent, mais les comptes sont déjà… Là, ils ont pu prendre encore dans les caisses et les types et voir ce qu'ils pouvaient. Mais quand ils allaient sur leur ordinateur faire les transactions pour envoyer dans une autre banque de très vite, le plus vite possible. Et là, il dit, j'ai une personne qui a là sa compte à la banque, sur cette banque-là, à compte courant et à compte d'épargne, elle n'a pas pu toucher un centime. Elle va faire des courses, carte bloquée. Elle va à la banque, elle demande à son patron, madame, qu'est-ce qui se passe? Ma carte est bloquée, on lui a répondu. Nous sommes en faillite. Et voilà. Et voilà. Boum! Tout est bloqué parce qu'ils sont en faillite. Boum! Déjà au Liban, ils ne peuvent plus retirer. Hein. C'est terminé, les banques sont déjà fermées. Oui, oui, oui. Mais je dis, ça fait une suite comme temps. Aucun média n'en parle. Ne parle du Liban, qui sont dans une terrible difficulté. Les gens ne peuvent plus survivre. Ils essayent d'avoir de l'argent, ils n'en ont pas. Enfin, ça a été une horreur au Liban. C'est une horreur depuis plus d'un an. Plus d'un an. Incroyable. Voilà. Vécu ça. Donc, ça prend du temps un procès. Hein. On va terminer le truc du procès. Ça prend du temps de préparer un procès de cette telle ampleur. Surtout que les gens qui sont visés, ce sont des rois, des reines, des ministres, des présidents, des anciens présidents, des anciens ministres, des hommes de loi, très important, des juges, des magistrats, des médecins, des gens riches, même Bill Gates. Bill Gates, j'ai vu des vidéos où Bill Gates était aussi dans ce cercle du neuf. Et moi, Bill Gates, moi, pas connu, mais c'était des victimes parce que Bill Gates est à peu près de ma tranche d'âge, quoi. Donc, il a commencé plus tard à fréquenter ce milieu-là. Mais Bill Gates, il fait partie aussi. Et la jeune victime de 18 ans a dit, mais moi, je l'ai vu dans les soirées avec des jeunes filles, ça a donné un cœur joie. Et des jeunes filles. Parce que parfois, dans les champs, on avait une chambre, mais il y avait des chambres à côté et on pouvait entendre l'enfant qui était dans la chambre à côté. Et de temps en temps, ça m'est arrivé que c'était un enfant que je connaissais qui était la victime.
quand c'était moi. Et maintenant, on commence à parler et les quelques personnes qui sont victimes, mes copains qui ont survécu, qui sont encore vivants, plus ce jeune garçon de 18 ans, je garde des contacts. On est des anciennes victimes, on va essayer de se regrouper petit à petit. Et moi, mon projet, c'est qu'en France, que des gens qui sont victimes et qui m'écoutent essayent de rentrer en contact avec Julie et Lilou pour eux parler de leur vie, de leur vécu, comme moi j'ai osé le parler. Bon, ils peuvent le faire en privé, hein, s'ils ont trop peur d'en parler à visage pardon, découvert ou en parler devant tout le monde. Ils peuvent en parler en privé à Julie Lilou. Ils attendront leur témoignage et elles pourront ensuite à faire une espèce de medley sans dire son prénom, sans dire son nom, parce que le garçon ou la fille a encore peur de ça. Donc ça, c'est un premier but. Maintenant, s'il y a des gens qui sont victimes des mêmes faits que ce que moi j'ai eu et veulent venir m'en parler, bah, moi, c'est simple. Vous allez sur mon Facebook, vous cliquez sur mon lien de mon Facebook, hein, vous voyez où je suis, mon petit David Martin, hein, veton53@hotmail.com, et vous m'avez aussi. Et vous venez me dialoguer. D'abord, vous m'envoyez un message en privé parce que j'ai énormément de messages. Ça, c'est un truc qui est déjà dit. Oui, mais t'as pas répondu si ça, si la vidéo t'a plu ou pas. Ou t'as pas répondu à mon message, pourquoi? Mais actuellement, j'ai une cinquantaine de messages tous les jours. Je travaille. J'ai un travail sur le côté. Je m'occupe d'enfants. Pour pouvoir faire en sorte que l'école Sourire vit comme il faut, j'accueille des artistes qui viennent chanter, qui font des spectacles gratuits. Je fais des spectacles travestis aussi gratuits. Comme ça, vous le savez. Parce que quand j'ai quitté le foyer et que j'ai commencé à étudier pour être animateur, moniteur pour enfants, j'ai travaillé parce qu'il fallait que je travaille pour gagner mes sous, pour pouvoir payer mon loyer et tout ça. Donc, j'ai travaillé au Starmania jusqu'en 2003, où là, j'ai commencé comme serveur et j'ai terminé au bout d'un an sur scène parce qu'il y avait plusieurs travestis qui étaient malades et il fallait un travesti. Je dis, bon, ben, je vais bien essayer, on ne sait jamais. Ils m'ont pas touffeté, j'avais à peine 17 ans, ils m'ont pas touffeté sur le visage. Et puis j'ai commencé à m'entraîner pendant quelques temps, et puis j'ai fait la scène, puis ça m'a plu, puis j'ai continué. Là, avec les filles de Gand, on fait énormément de shows un peu partout en Belgique pour récolter de l'argent pour les enfants sourire de mon école et d'autres écoles d'enfants sourire, parce que il y a plus d'écoles sourire en Belgique, même des petites structures. Il y a des petites écoles où ils sont une vingtaine d'enfants, il y a des écoles où ils sont 1 000, 2 000 enfants. Là, on a une chance d'avoir à Bruges la plus grande école sourire de la Flandre occidentale. On est quand même pas loin de 7 000 actuellement enfants. Et en plus, dans les villas où ils sont 50 par villa, il y a moitié enfants et moitié personnes âgées dans maintenant 10% des villas. On est monté à 10% parce qu'on a fait pendant 5 ans un medley avec une dizaine de villas. On a fait un essai de mettre des personnes âgées avec des enfants parce qu'on a constaté que les personnes âgées qui étaient dans des homes de personnes âgées se laissaient mourir après un certain temps parce qu'ils s'ennuyaient et que les enfants avaient besoin d'avoir d'apprendre, de savoir des grands-parents, des personnes plus âgées parce qu'il y a des choses qui s'oublient et que j'ai constaté qu'ils s'oubliaient. Donc, ce n'est pas moi qui ai pris la décision seule, on est plusieurs à avoir découvert ce truc-là et à vouloir le faire. Donc, on l'a fait. Et dans des villas où on a constaté où il y avait 50% d'enfants et 50% de personnes âgées, il y avait une éducatrice la nuit avec eux au lieu d'avoir quatre. Il n'y a qu'une seule éducatrice la nuit ou éducateur. Et dans ces villas-là, les personnes âgées, ben, ils ont 95, 80 ans, mais tu les vois, tu dirais qu'ils ont 65, 70 ans, mais pas plus, quoi. Ils sont en excellente santé, ils ont une joie toute pétillante de vivre, ils apprennent des trucs aux enfants, c'est super important. Ils te parlent de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils étaient petits, ou ils te parlent de comment c'était dans les années 60,
avec la technologie qu'ils avaient. Ils jouaient dehors avec des petits ballons, ils étaient en short et tout ça. Ils avaient une façon de voir les choses très différente. Les filles, très vite, étaient mises en cuisine. Les garçons suivaient leur papa pour faire des bricolages à la maison et puis faire des bricolages à l'extérieur. C'est tous des trucs qui s'oublient parce que maintenant, les enfants, c'est voilà, sur la tablette et jeu de poussin. Tout ça, il Eh oui. faut. J'ai une petite, je suis parrain d'une petite fille de 2 ans qui sait mieux utiliser un ordinateur que moi. Oh, deux Pourquoi? ans. Ah ouais, c'est ça. Mais bien sûr, c'est carrément une Catalia, méthode. elle a 2 ans et demi, elle va sur ta tablette tactile, elle fait tac, 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 tac. Moi, je dis, mais j'ai rien compris. Mais elle est née là-dedans. Elle est née dedans. Donc, elle va sa mère toujours avec les tablettes, avec sa tablette, tac, tac, tac. Elle va ses oncles qui étudient pour être informateur, informaticien, et qu'ils ont des ordinateurs. Ils ont elle va sur leurs genoux, elle reste 2 heures sur leurs genoux, elle voit tout, et puis elle vient me faire tac, tac, tac. Attends, ma chérie, t'as 2 ans et demi, mais fais plus doucement, j'ai rien compris, moi. Hein. Tu vois, donc, je suis dépassé déjà par certaines choses Mais quand elle fait ça. nous Et aussi, puis, mais bien sûr, bien sûr. quand je donne cours à des enfants ou quand je fais du babysitting pour la famille et que je garde les enfants, parce que moi je dis pas, un professeur, il est pas professeur comme ça, un animateur, il n'est pas animateur comme ça, il donne quelque chose à un enfant et l'enfant lui donne des trucs en rechange vers lui. Donc il y a un échange de différents qui fait que l'enfant, ça lui permet à grandir, mais une personne, une fois qu'elle dépasse les 50 ans, que moi je vais arriver dans cette zone-là, ça me permet, moi, à garder ma stabilité de vie active tout en apprenant des nouvelles choses parce qu'eux, ils apprennent des choses qui vont beaucoup plus vite que nous et ça nous permet à nous stabiliser et à ne pas être trop dépassés à ce qui se passe actuellement. Donc, ça nous fait un grand bien. Alors, quand je vais à Catalina et qu'elle me dit, attends, hein, voilà. On va regarder ça. Tac, 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 tac. Mais allez, elle a 2 ans et demi. Moi, 2 ans et demi, j'aurais pas su faire ça. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas la même génération. C'est ça. Il y Ben, a des générations. On est des C'est pas générations. mieux, Il y a hein. des. Voilà, exactement. Mais Moi, je c'est pas donnais mieux. mon. Moi, C'est c'est pas pas bon les mieux. Moi, enfants. je donne. Mais j'ai dit à Catilia, tu sais que moi, quand j'avais ton âge, j'allais à la ferme, je donnais à manger aux poules, je leur donnais des noms aux poules, je donnais à manger aux moutons, aux chèvres, aux brebis, aux vaches, je leur donnais des noms. Ou ça aussi, si les membres de ma famille avaient déjà donné des noms, ben, je les appelais un tel. Mais je parlais avec eux, et c'était mes copains, mes copines. Et ben, bien entendu, quand j'étais mis dans les foyers et que j'allais chez mon parrain, ben, j'ai parlé avec les poules de mon grand-père, les oies de mon grand-père, les moutons, les vaches de mon grand-père. Pour moi, c'était logique. C'était mes seuls amis que j'avais de sûr et qui ne me trahiront pas. Parce que les animaux ne trahiront jamais les humains. D'ailleurs, ce matin, j'ai mis un truc sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai mis un truc sur Facebook où une fille avait mis quelque chose sur son mur. Mais étant donné que je suis ami avec cette fille, moi, j'ai pris sa photo et j'ai mis non. Les animaux sont les maîtres de la planète et nous, on est là pour les soigner quand ils sont malades et quand ils sont pas bien. C'est tout. Ça, c'est notre mission. C'est la même chose pour les plantes et tout ça. C'est notre mission Exactement. actuellement. Ça devrait Et l'être. en plus, ils nous le rendent bien. Ils nous le rendent avec amour. On respire et on sait manger. Voilà. Ça, c'est pour un peu dire, j'ai pas tout le temps le côté négatif de penser que le procès est à me battre. Je lutte contre la pédocriminalité parce que j'ai été une victime et ça, c'est mon combat numéro un. Je le dirai toujours. J'ai pas à pleurer. Vous n'avez pas à être désolé pour moi. Vous n'avez pas à pleurer pour moi parce que ce que j'ai vécu, c'est dur. C'est dur à comprendre. C'est dur à accepter pour vous peut-être. Mais c'est un truc qui m'est arrivé à moi, donc ça ne va pas vous faire du mal non plus. Absolument, Ça doit absolument. justement vous dire, c'est seulement pour vous dire, il y a des victimes, et ces victimes, on doit les écouter. Et ces victimes, s'ils parlent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres victimes qui n'osent pas de parler, et c'est pour faire parler les autres victimes, pour qu'ils puissent eux guérir. Moi, j'ai guéri, et je sais qu'il y a des millions de victimes qui n'ont pas guéri,
de ce que moi j'ai eu. Ça, Absolument. c'est mon combat. C'est Absolument. mon combat. Quelle résilience, quel Voilà. exemple. Et oui, c'est un modèle et un exemple de résilience, absolument. De toute Voilà. façon, je vais vous dire quelque chose, les amis. Les plus grands blessés font les plus grands thérapeutes. Voilà. C'est à un moment donné, on est là sur cette terre parce que comme on a vécu des choses dans notre enfance, peu importe le degré, peu importe le niveau de souffrance, les plus grands blessés font les plus grands thérapeutes. Voilà. Et David, il en fait partie. Tout simplement. Voilà. Aussi simple que ça. Ah, vraiment et ça. Je vais dire quelque chose pour l'être humain là, que j'ai dégagé, etc. Par rapport à son message. Je vais donner le message. Les amis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu de viol, d'inceste ou de quoi que ce soit qu'on n'a pas souffert dans notre enfance. Toutes les souffrances sont à recevoir, à entendre, à écouter et à mettre du baume sur les blessures du cœur. Parce qu'on est là pour ça, sur cette terre. Quelles que soient les souffrances ça. Que nous vivons. Quelles que soient les souffrances que nous vivons. Oui, des fois, quelqu'un va se casser le bras. Merci. Des fois, quelqu'un va se faire une fracture. Et des fois, quelqu'un va se faire une petite, vous savez quoi, une petite égratignure. Mais l'égratignure et la fracture, c'est à prendre de la même manière. C'est une blessure. À nous de nous guérir. Donc, voilà, je veux dire, à un moment on donné… On ne fait qu'un, on n'est qu'un. Donc, à oui. partir du moment, on n'est qu'un, point barre. Ma Julie, merci de l'avoir dit, tu as bien résumé. Mais en attendant, véritablement, il y a toutes les blessures sont à prendre en compte. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu ça qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on ne peut pas être en compassion avec David. Non, mais allô, quoi, les amis, mais vous avez loupé votre diplôme d'être humain ou quoi? Parce que c'est un diplôme d'être humain, là, vraiment, hein? Ah mais ça, non non mais c'est sûr que ce soir il y en a certains qui nous ont prouvé que non 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 ils n'ont aucune empathie aucune c'est pas possible après avoir entendu ce qu'on a entendu d'avoir de tels commentaires alors ça n'a pas été heureusement la majorité il y en a eu quelques-uns heureusement les amis hein, d'avoir pété un câble sur certains mais c'était plus fort que moi hein. À un moment donné il y a un minimum de respect à avoir si t'es pas content si ça résonne pas tu t'en vas mais tu viens pas juger et remettre en question une chose pareille oui j'ai une voix très virile parce que je suis malade désolée c'est comme ça mais on s'assume les amis hein. Je vais vous dire on s'assume hein. Nous on s'assume et on a vécu des vies très difficiles de toute façon chacun à notre mesure chacun à notre degré et à un moment oh là là il y a un bruit incroyable là alors attends voilà chacun on a vécu nos blessures les amis chacun on a vécu le truc à notre degré mais en attendant au lieu de critiquer vous savez quoi eh ben œuvrez et après vous pourrez parler parce que là franchement c'est vachement facile la critique nous on se mouille nous on se mouille tous les jours avec Julie David il se mouille avec non seulement le procès, mais tous les témoignages, tout ce qu'il a fait avec notre chaîne et tout ce qu'il fait autour de ça. Il se mouille avec les enfants aussi. Il défend la cause des enfants. Mais ça se comprend. On a tous quelque chose à faire sur cette terre, notre part de colibri. Donc, quand vous venez sur notre chaîne et que vous nous critiquez, je vais vous dire un truc. Vous ne la faites pas, votre part de colibri. Hein. Vous êtes loin du compte, mais loin du compte. Voilà. Mais s'il y avait plus de chaînes intègres comme nous, eh ben ce genre de choses auraient été mis en lumière depuis très longtemps. Parce que les gens oseraient parler de ces sujets-là. Parce qu'il y a beaucoup de collectifs. Il y a beaucoup de gens qui se disent à vouloir aider les enfants. Mais la pédocriminalité, on en parle peu. Ça commence aujourd'hui, ça commence à être la mode parce qu'ils commencent à voir les grands médias en parler. Parce que Exactement. Les grosses têtes commencent à tomber. Mais le courage, jusque-là, il y en a peu qui l'avaient. Hein. Nous, on a Exactement. Toujours soutenu et on a toujours dénoncé. On a toujours eu ce courage-là et pourtant, moi j'ai des enfants et je sais le risque que je prends à chaque instant quand je parle des placements abusifs, quand j'entends et que je laisse témoigner David, c'est quelque chose où on sait pertinemment ce qu'on risque. Mais au nom de tous les enfants en souffrance dans ce monde, il est hors de question de faire semblant de ne pas savoir et de fermer les yeux pour son propre intérêt personnel. C'est le collectif et le bien commun avant tout, c'est tout. Absolument, nous, absolument. C'est notre état d'esprit sur cette chaîne. Avec les loups, on s'est trouvé pour ça. Une très belle rencontre. Oui, et ma belle. David, s'il est venu se confier ici, c'est certainement pas un hasard. Il a senti qu'il pouvait être à l'aise et je pense qu'il est. Enfin, David, je ne sais pas, on t'a mis en confiance, sûrement. Hein.
Quand tu es apparu un Oui. matin, 1 h du matin, alors que j'allais clôturer, c'était inattendu. Inattendu. Je ne m'attendais pas du Et tout à désolé de ça. t'avoir fait pleurer, hein. Comment? Désolé de t'avoir fait pleurer ce matin-là. Oh C'était ben, pas mon but, oh hein. ben, tellement pas un témoignage pareil, David. J'étais à 10 000. Hein, 10 000. Mais C'est... bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, elle est là, la réalité. Nous, il n'y a pas de faux semblants. On est en direct du matin au soir. On est pas là à faire un double jeu. On est vrai. On est entier. Voilà, S'il y avait exactement. plus d'humains comme ça, on n'en serait pas là. Continue à Ouais. critiquer. Dès demain, ça va être notre fête. Hein. On les connaît, là, les espèces de collabos à deux balles. Là. On les connaît. Hein. Ça va être notre fête demain. Mais rien à foutre. Enfin, excusez-moi, hein, mais. Mais bien sûr, non, mais nous, on continue à tracer. Je vais vous dire, quoi que les gens disent, on s'en tape. Parce qu'à un moment donné, on a notre ligne directrice, on a notre fil rouge de l'âme, et on continue. Et David, lui aussi, il continue, il vous en témoigne. Il dit, ben voilà, moi, je continue. Regardez avec ton témoignage, David, avec, parce que tu es, donc, avec ta filleule, puisque tu es son parrain. Magnifique, magnifique. 23 h 32, les amis. Yeba. Voilà. Donc, merci beaucoup. David, continue, continue. Alors, ce qui était marrant, c'est que devant le juge, fin de matinée, j'ai expliqué au juge les blessures que j'ai eues physiques. Moi, c'est physique, les blessures. Donc, c'est moins marquant parfois par une blessure verbale. Tu dis un mot à une personne, hein, de quelque chose, mais méchant à une personne, c'est comme si tu prends, je sais pas si, une feuille de papier, tu dis un truc méchant à une personne. Voilà. Je dis un truc méchant, je prends un papier, c'est tous les trucs méchants qu'on a dit à la personne. OK? Après, tu vas vouloir t'excuser et te pardonner envers la personne que tu as dit un truc méchant sur elle. Papier, tu vas pouvoir le déplier, le déchiffonner, hein, le remettre le plus droit possible, peut-être même le repasser, mais il y aura toujours des traces Absolument. dans Absolument. les mots méchants, dans la méchanceté verbale. Par contre, on guérit plus facilement d'une personne qui a été frappée ou qui a reçu des coups ou qui a été violée. On guérit plus facilement. Pour la bonne et simple raison, c'est que le corps et l'âme et l'aura t'apprend à guérir et à grandir par cette guérison. Ça, c'est une chose que moi, j'ai appris et ça c'est parce que j'ai aussi... Je suis quelqu'un d'éveillé, comme j'ai expliqué ma première soirée interview, c'est que quand j'étais petit, je parlais aux animaux. Les petits animaux, je parle à Mossa là, qui me dit, écoute, je me lave, laisse-moi tranquille. Là, elle est venue il y a 2 minutes, écoute, je viens de manger, merci beaucoup. Ça, je sais, et tous les trucs comme ça. Mais quand j'étais petit, quand un enfant est petit, il a un ange, il a un gardien imaginaire. Il parle avec son ange imaginaire. Maintenant, si chez vous, vous avez des enfants qui parlent à son ange imaginaire, il faut savoir comment il parle à son ange imaginaire. C'est que, ou c'est son aura ou son âme qui lui parle en lui montrant un aspect physique devant lui que lui seul peut voir, ça c'est une chose, ou c'est un ange gardien d'en haut ou d'une personne décédée qui vient à côté de lui et qui devient son ange imaginaire. Et qu'il n'y a que lui qui le voit, parce que son ange gardien et la personne qui va le voir, qui parle avec lui, il n'y a que lui qui peut l'apercevoir, il n'y a que lui qui peut le voir. Et ça, c'est ce que je dis à tous les parents. Cette année-ci, c'est la première gardienne, donc j'ai expliqué ça aux parents des premières gardiennes. Et ça, il ne faut pas l'enlever à l'enfant. Il ne faut pas dire, oui, tu es un ange imaginaire, c'est bien, mais moi, je sais que c'est faux. Ce n'est pas faux, c'est vrai ce qu'il dit. Parce que tout enfant, au point de départ, a son troisième œil qui est réveillé. Et vers l'âge de 6-7 ans, à cause de l'éducation nationale qu'il reçoit, entre autres, attention Mossa, merci, à cause de la façon comment on soigne le corps terrestre d'un être humain, l'âme, le troisième œil, il va se fermer ou va rester ouvert. Moi, il a eu la chance de rester ouvert et que j'ai pu continuer. Mais il y a beaucoup de gens qui vont complètement se fermer. Ça, c'est le cas pour la majorité de la population actuellement. Et puis, il y a une petite partie, ils vont rester entre-ouverts. Et il y a une mini-partie qui vont rester ouverts comme moi. Et il y a une partie qui vont se fermer et puis ils vont
se réouvrir progressivement plus tard parce qu'ils vont se poser des questions et que leurs questions vont leur amener à devoir demander des questions à leur intérieur, donc à leur inconscience. Et en parlant avec leur inconscient va dire, mais moi, en fait, je ne suis pas ton corps terrestre, je suis ton corps astral. Et une fois qu'il va commencer à avoir cette communication-là, après parler avec le corps astral va dire, mais moi, je communique avec des êtres plus évolués que le corps terrestre que tu as. Donc, si tu veux, je peux t'emmener. J'ai reçu l'accord de eux et des anges gardiens de pouvoir communiquer avec des anges gardiens, puis après avec plus haut, à chaque fois de plus en plus haut. Donc, moi, j'ai eu l'honneur depuis tout petit d'avoir cette évolution qui a été très, très, très rapide chez moi et qui m'a permis à faire que quand j'ai eu mes viols, d'avoir cette sorte de miroir qui me protège et qui m'a permis à grandir et qui m'a permis à vous parler aujourd'hui. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir évoluer comme moi. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir cet œil qui a été ouvert dès petit. Il y en a qui ont l'œil qui est fermé, qui s'est refermé. Et c'est une constatation de chez les victimes des souliers rouges. Ils sont tous spirituellement éveillés. Et c'est une constatation que moi j'ai faite. Ils sont tous spirituellement éveillés. Ils communiquent tous avec des êtres venant d'autres planètes. Ils communiquent tous avec la nature, la faune, la flore. Ils ont ce truc, ça nous a donné une force, et ça leur a donné une force de se réouvrir leur troisième œil et pouvoir s'éveiller spirituellement plus vite. Bon, c'est vrai que on est passé par un truc dégueulasse pour pouvoir, ils sont passés par un truc dégueulasse pour pouvoir s'éveiller, eux. Mais il y a des gens qui vont, qui s'éveillent à un moment donné, un matin, en disant, oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai envie de savoir certaines choses, mais je commence à avoir par message comme des rêves. Mais oui, parce que quand tu vas te coucher le soir, tu t'endors et tu as un cycle t'as un cycle de trois étapes. Tu as le sommeil léger, hein. Donc là, tu es encore conscient et tu bouges en ton lit et tu sens bouger tout ça. Donc tu dors, mais tu es encore un peu conscient. Puis à un moment donné, tu perds cette conscience du fait que tu es dans ton lit, tu tombes dans le sommeil profond. Et c'est quand tu arrives dans le sommeil profond que ton âme sort de ton corps et voyage librement. Et ça, c'est tout le monde. Même les gens qui ne sont pas éveillés, ils voyagent. Par contre, quand l'âme revient dans ton corps dans ton corps et que tu retournes dans la catégorie pré-réveil, avant de te réveiller entièrement, ou de nouveau te réendormir dans une deuxième phase, dans une nouvelle phase de sommeil profond, cette phase-là, il y a certaines personnes qui se remémorent ce qui s'est passé dans leur rêve profond. Et c'est là qu'ils arrivent à dire, mais j'ai communiqué avec des gens, j'ai communiqué avec des êtres, je ne savais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Au début, on ne sait pas pourquoi on arrive à voir ça. Et au début, c'est une fois, et après, ça dure des mois et des mois, et puis hop, une deuxième fois, et après, ça devient de plus en plus souvent, de plus en plus rapproché. Et c'est le fait que tu quittes ton corps terrestre, quitte la troisième densité pour entrer dans la quatrième densité. Quand Absolument. tu es dans la quatrième densité, tu arrives à faire la différence que quand je suis en sommeil profond, je fais des voyages astraux. Mais je ne me souviens pas de tous mes voyages astraux parce que je suis en quatrième densité. Pour ça, il faut que tu passes les 10 étapes, les 10 échelons de la quatrième phase pour entrer en cinquième densité. Et là, quand tu rentres en cinquième densité, là, on te donne des pouvoirs. Tu as acquis une certaine expérience de vie, de communiquer entre le haut et en bas, entre ton toi intérieur, ton toi extérieur et ton toi astral, et ce qu'il y a au-dessus, qui fait qu'on va te donner des dons. Il y en a qui ont des dons de pouvoir guérir à distance ou guérir uniquement en touchant les gens de la peau. Il y a des gens qui ont des dons de pouvoir, ils vont te prendre ta main, ils vont lire ta main, et puis grâce à ta main, ils vont dire, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Il y en a qui vont pouvoir dire, avoir le pouvoir de pouvoir tirer les cartes et ils savent pas pourquoi, mais les cartes vont leur parler parce que quelqu'un en haut va dire cette carte veut dire ceci, cette carte veut dire cela, et ces deux cartes-là ensemble, cette heure-là, à ce moment-là, ça veut dire ceci,
dans son futur à lui. Tu vois? C'est pour prévenir. Mais on ne donne jamais la totalité de tes rêves de savoir, pour savoir ton futur. On te donne seulement des fracs. On te donne des Absolument. chemins que tu peux prendre dans tes rêves. Par exemple, Lilou, elle a le pouvoir de pouvoir lire dans certaines cartes qui sont très développées. Et Julie a plutôt le pouvoir de. Elle aurait le pouvoir de pouvoir soigner à distance et pouvoir soigner les gens par le magnétisme. Comme ma petite fée des bois, si jamais elle est là, je lui fais un gros bisou. Elle se reconnaîtra, hein. Elle vient de temps en temps sur les lives et étant donné que j'espère qu'elle a entendu dire que je faisais un live, qu'elle sera là. Donc, au toucher. Et ça, c'est des choses merveilleuses. Il y a des gens qui ont le pouvoir, en soignant les plantes, à les refaire vivre. On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont aussi cet éveil-là. On a chacun un domaine bien spécifique. Il y en a qui auront le domaine de guérison, il y en aura qui auront le domaine de la voyance et de la clarté, il y en aura qui auront le domaine de l'éducation et de l'aide à la faune et à la flore. Et moi, Absolument. j'ai été plutôt. Moi, j'ai été orienté envers le domaine de la flore et la flore et m'occuper et de montrer le chemin aux enfants vers la faune, la flore et la flore en leur expliquant avec mes mots à moi, avec ce qu'ils me disent en haut et en expliquant avec mes mots à moi comment vivre et comment faire pour écouter la nature, écouter chanter la nature. Et parfois, la nature te rend beaucoup plus de ce que tu penses. Et si tu l'écouterais comme il faut, tu l'entendrais mieux. Et si tu arrives à l'entendre, elle te parle et puis tu comprendrais mieux la vie et mieux comment ça va. Donc c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un de fort, parce que j'écoute d'abord la nature avant de m'écouter moi-même. Parce que je fais Exactement. partie de elle. Voilà. Ça, Mais ce en fait, sont on fait mes. tous partie d'elle parce que nous sommes tous le vivant de la vie. L'histoire, Voilà. c'est de rejoindre en soi-même le vivant de la vie. Que ce soit notre côté minéral, végétal, animal, humain, etc. On est des humains, donc OK. Mais en attendant, on est la jonction entre les trois chakras du bas et les trois chakras du haut. Les trois chakras du haut, c'est spirituel, les trois chakras du bas, c'est matériel. Et au milieu, il y a le chakra du cœur. Il est impératif de se retrouver au centre de la croix et de se réaligner à ce que nous sommes vraiment. Et surtout de rééduquer notre ego à sa juste place. À partir de là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est-à-dire qu'il nous est montré ce pourquoi nous sommes là. On est poussé aux fesses par notre âme pour nous dire, ben voilà. Maintenant que tu as nettoyé tout ça, je te montre, et notre âme nous pousse et nous dit, voilà, c'est ça que tu as à faire. Julie et moi, on s'est rencontrés comme ça. D'un coup d'un seul, j'avais suffisamment nettoyé chez moi pour, d'un coup d'un seul, ben, je l'ai retrouvé sur une lit, sur une chaîne, et on s'est rencontrés. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Et là, on peut être dans notre mission. Et on l'a fait gratos. Pourquoi on l'a fait gratos? Mais parce que c'est ça qui nous move. C'est ça qui nous bouge, parce que c'est le seul moyen de donner au monde ce que nous sommes. Voilà. Et David, il a fait pareil. Il s'est guéri. Il a été dans la résilience. Et maintenant, il s'occupe d'enfants pour justement qu'ils ne vivent pas ce que lui, il a vécu. Donc, je veux dire, quand je vous disais les thérapeutes, c'est les plus grands blessés. Les plus grands profs, c'est les enfants blessés aussi. C'est normal. C'est normal. On va transcender tout ça. Donc, je veux dire, c'est énorme, les amis. C'est énorme. Excusez-moi, du coup, vas-y, David. C'est magnifique, Lilou, tu as raison, magnifique. Bien Par finir, exemple, c'est quand. tout. Il faut finir sur des notes positives comme ça. Merci, Mais oui, mais oui. Lilou. Mais parce que nous sommes appelés à être dans la résilience. Nous sommes appelés, en tant qu'humains, à évoluer, à guérir nos blessures, à apprendre nos leçons et justement à incarner autre chose. Et c'est ça dont il est l'histoire là ce soir et depuis quelques années. Il est question de ça. Il est question qu'à un moment donné, on soit transcendé de nous-mêmes, transmuté, guéri de nos blessures et qu'on agisse en tant qu'humain. Hashtag humain 7.0 là, parce que là, il est question de ça là. 7.0 minimum, hein, parce qu'on n'en est plus à 2.0 là, les amis, hein. Ça fait des siècles, hein. On va peut-être passer au petit mot de la fin, David. Enfin, en tout cas, moi, je vais pas tarder. Oui. Oui.
Ouais. Oui. Par exemple, moi, quand je donne mes cours et que on est souvent dehors dans la nature quand il fait beau, souvent les enfants, ils voient un faisan ou une corneille, un rouge-gorge, un trisilène, un essieu, un tipiou. Et ils me demandent, tiens, c'est quoi que ça comme oiseau? Ben, ça, c'est un faucon d'Arménée, et il regarde à gauche. Donc, à gauche, ça veut dire que demain, il va faire beau. Ah, comment vous le savez, monsieur? Ben, parce que eux savent que nous, que les humains ont oublié. Beaucoup d'humains disent, tu regardes les gens qui, nos ancêtres, regardaient la nature et savaient par la nature voir les comportements des animaux, savoir s'il allait faire beau, mauvais. On n'avait pas besoin de monsieur Météo pour dire qu'il allait faire beau, mauvais, Absolument. et faire des trucs comme ça. Ou quand, ah, il y a un danger dans cette zone-là, ou ah, l'oiseau regarde un futur compagnon ou une future compagne. Tout ça, ça se voit. Je parle des oiseaux parce que pour le moment, la dernière fois que j'ai eu les enfants, la semaine passée à l'école, c'était trop comique. Il y avait tellement d'oiseaux dans les arbres et tout ça, parce que ils préparent leur départ pour le sud, hein, la plupart de leur volatiles. Et puis, vous voyez les colombes, parce qu'on a pas mal de colombes qui commencent à s'installer. Ils disent, ben, pourquoi on n'avait pas de colombes, mais maintenant on commence à avoir des colombes. Et je dis, ben, les colombes, en été, ils vont plus vers l'Alaska, la Norvège, le Danemark, les pays qui sont plus froids parce que il fait plus chaud et qu'il y a plus de nourriture et qu'il fait plus frais pour eux, quoi. Ici, il fait trop chaud pour eux. Et maintenant, il fait plus frais, mais pas assez froid pour qu'ils partent, mais pas assez chaud pour qu'ils partent non plus. Donc, ils reviennent ici. Et à un moment donné, il y a un enfant qui me dit, et ça, c'est quoi comme oiseau? Alors, je dis, et il me dit, est-ce que c'est un puits vert? Parce qu'il est noir et blanc. Je dis, ah non, ça, c'est pas un puits vert, ça. C'est une hirondelle, ça. Et ça, il y en a dans l'école, parce qu'on est dans les granges de l'école. Quand vous allez dans la grange, visiter les moutons, les chèvres, les brebis, il y en a tout plein en haut, parce qu'ils nichent dans les granges. Et ça fait Eh des nids de rondelles. Et les enfants disent, des nids de rondelles, oui. Et d'ailleurs, en Chine, en Japon, en Thaïlande, ils mangent ils font de la soupe de nid d'hirondelle. Et c'est absolument. super bon à manger. C'est super bon à manger. Ah, ok. Donc, c'est tous des trucs comme ça que j'aime apprendre aux enfants. Et hélas, j'en ai parlé à Julie Lilou la semaine passée, c'est Oui. que on a reçu un petit livre avec un CD dedans. Et ce petit livre, c'était pour l'explication de la sexualité à des enfants de troisième année gardienne, première primaire, deuxième primaire, troisième primaire, quatrième, cinquième, sixième primaire. J'ai dit, mais ça marche, il est hors de question que je me montre ça à des enfants. Et quand il y a eu la réunion avec les professeurs, les autres directeurs et les autres de la direction de l'établissement, j'ai dit, il est hors de question qu'on montre ça aux enfants. Or que c'est le nouveau, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom parce qu'il a un nom à la 642, celui-là, c'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale belge, fédérale, qui a imposé ça dans toute la Belgique. C'est le même CD, le même livre en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, partout en Europe. C'est un livre scandale, qui est affreux, où on montre complètement, tu vois dans le livre, un professeur qui explique avec une banane et un préservatif qui le déroule sur la banane complètement. Et il dit, la banane, c'est le sexe de l'homme. Et comme ça, il faut dérouler le préservatif. Comment il faut dérouler le préservatif sur le sexe de l'homme? Ça se fait comme ça. Ah Et moi, j'ai trouvé ça trop scandaleux. oui. Évidemment. J'ai trouvé ça affreux. Il est hors de question qu'on mette ça à des enfants, c'est pas possible. C'est du Absolument. pornographique. Absolument. Et on va faire une émission là-dessus. Enfin, moi, je vais faire un live en tout cas. Parce que Marion Sigaud le signale. Ariane Billeran l'a signalé. Tu le signales. Il y a plein de gens qui l'ont signalé. Et il y a des parents, mais ils sont à l'ouest. Ils s'occupent peut-être même pas de ce qu'apprennent leurs enfants,
Mais en attendant, on leur apprend ça à l'école. Oui. Alors qu'ils n'ont pas l'âge. Ils n'ont pas l'âge. C'est affolant. On est d'accord. Hein. Ah oui, oui, c'est affolant. On est d'accord. Un deuxième truc que je vais vous mettre au courant, c'est qu'ici à la commune, pour les gens qui appartiennent à la sphère communale de l'élite, hein, ils ont reçu un petit livret avec tout ce qu'il fallait avoir chez eux, car il va y avoir des couvre-feux, il va y avoir des pénuries de nourriture d'ici quelques temps. Bien sûr. Parce que, voilà. Mais ça ne va pas être dû au Nouvel Ordre Mondial ni à la Kabbale. Hmm? Eux aimeraient bien que ça soit comme ça. Oui. Mais ça va bien se passer comme ça. Il va bien avoir des pénuries dans les magasins, pas dû aux coupures de courant. Oui, ça, il y a un peu de ça, mais pas dû aux coupures de courant ni aux coupures d'électricité et de gaz, mais dû que l'alliance des chauffeurs routiers poids lourds internationales et nationales vont manifester car ils ne seront pas d'accord de ne pas pouvoir livrer à temps et à heure et sans utiliser d'électricité. Parce qu'il faut de l'électricité pour certains camions. Absolument. Et ils commencent à bloquer ils ont commencé, il y en a certains qui commencent à bloquer le port d'Anvers et ils ont dit, ils sont en train de mettre en communication pour bloquer tous les ports d'Europe et tous les entrées des grandes villes à ceux qui, il n'y a plus aucun canon qui livre pendant X temps pour obliger les gouvernements à ne pas couper le gaz, l'électricité chez eux pendant qu'ils travaillent parce que leurs femmes travaillent, leurs enfants ont besoin des courants et tout ça. Voilà. Très intéressant. Alors, ce que tu dis est très intéressant et ça vient confirmer mon instinct ou mon intuition qui est là depuis longtemps, deux, trois mois, hein, qui me dit que ce n'est pas possible que cet hiver se passe comme ils le disent. Ce n'est pas possible. Il va y avoir un Deus ex machina. Ce n'est pas possible, les amis, qu'on laisse l'humanité dépérir comme dans les anciens siècles, comme dans les anciennes histoires. Non, ce n'est pas possible. Il va y avoir un Deus ex machina. Ce n'est pas possible autrement. Si vous étudiez, parce qu'évidemment, il y a le côté ombre et il y a le côté lumière, toujours, puisqu'on est dans un monde de dualité dans la matrice. Hein. Donc, OK, mais ce n'est pas possible. Les annonces catastrophiques n'auront pas lieu. Enfin, voilà. Bon, bien sûr, par rapport aux picouzes, il y a des gens qui ont morflé. C'est des accords d'âme, hein, c'est des contrats d'âme. Hein. Il y a des âmes qui sont venues vous montrer qu'en se faisant picouser, ben, elles partaient et que c'était leur choix. Et c'est peut-être pour vous réveiller, voilà, dans votre famille, etc., etc. Là, l'histoire de l'énergie, du gaz et de l'électricité, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. D'abord, au niveau légal, vous avez encore les moyens d'y répondre, comme avec la picouse. Vous avez à donner votre consentement, vous pouvez ne pas le donner. Et là, ce que tu dis, David, je pense que c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que toute l'histoire de la livraison économique, alimentaire et tout ça, etc., va forcément être bloquée à un endroit ou à un moment donné par le côté lumière. Forcément, ça ne va pas pouvoir se passer. Ils vont arrêter. L'humanité a suffisamment souffert. Ça fait 26 000 ans minimum qu'on souffre. Il faut s'arrêter au bout d'un moment. Hein, et il faut que ça s'arrête. Et on est à tous les carrefours spirituels où c'est le moment justement où ça bascule. Mais sauf qu'effectivement, vous compreniez que ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais regardez les grandes guerres qui ont été d'ailleurs créées par le Deep State. Ça a toujours duré quatre à cinq ans. Hein. Et là, ça fait depuis 2018 qu'on y est en France. Hein, et dans le monde... Ben, ça fait des années, en fait, des millénaires. Ça fait 26 000 ans, les amis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, David, de ce que je dis. Ben, moi, je pense que pour le début de 2023, il y a la chute de Macron qui va se faire force et tracas par des manifestations et par des choses qui vont être dites à la télévision. À partir du 16, les dévoilements vont commencer. Du 16 quoi ? Il ne va pas faire plus. Le 16 octobre. Ah ben voilà, donc c'est pas début 2023. C'est maintenant que ça se passe.
C'est À on y est partir du touché là. 16, il va Le 16 commencer à avoir octobre, des c'est dévoilements. demain. Il va avoir des grosses révélations qui vont commencer à se faire à partir du 16 octobre, ce qui va pousser le gouvernement de l'Alliance Atlantique à vouloir déclarer la guerre à la Russie. Mais le seul problème, c'est pour déclarer la guerre à un pays ou à plusieurs pays, il faut que le peuple soit derrière, il faut que le peuple soit d'accord avec derrière. Et le Absolument. problème, le gros problème qu'ils ont actuellement, l'Alliance Atlantique, c'est que le peuple européen n'est pas d'accord. Ils ne veulent pas faire la Absolument. guerre. On n'a Ils pas envie. n'acceptent pas. Absolument. Voilà. Et on le dit. On le dit qu'on n'a pas envie. Comment ça se fait qu'ils prennent des décisions sans nous demander notre avis? À quelle heure? À quelle heure? Ça, c'est parce qu'ils nous prennent pour des enfants depuis déjà la déclaration, on va dire de façon ouverte. Ils nous prennent pour des enfants depuis février 2020. Ils nous ont confinés comme des enfants. Et ils nous prennent pour des enfants. Donc, oui, stop, stop, stop. Donc, oui, tu as raison, David. Bien sûr, je te rejoins. Je te rejoins. Ça va être rapide, là. Ça va être éclaté. En plus, le 16 octobre, c'est la dernière chance à l'Alliance Atlantique de pouvoir déposer les armes et partir après avoir tout révélé, leurs mensonges et leur cruauté. Et ça n'a pas été fait. Donc, d'où où j'ai entendu Mr. X qui dit que le 24 octobre, donc 7 jours après le 16, l'Union européenne déclarerait la guerre officiellement à la Russie, quoi. Ça correspond à beaucoup de gros scandales. Le président Vladimir, il sait très bien que le peuple français n'est pas d'accord avec son président et ne va pas dire, allez, on va rentrer dans l'armée pour aller faire la guerre à la Russie. Tu vois? Il Absolument, le absolument. sait. Donc, il va Tout à fait. devoir agir autrement. Absolument, Oh, absolument, autrement. Par absolument. contre, il y a une chose qui est véridique et qui a été confirmée autant par l'état-major russe que par la Turquie. C'est les renseignements turcs qui l'ont annoncé. C'est que des militaires français travaillant pour Macron ont bien envoyé des bombes ou des espèces de grenades autour de la centrale nucléaire en Ukraine, faisant passer que c'était des Russes qui avaient bombardé, parce que les grenades qui sont tombées ne sont pas conformes et sont tellement faites par des professionnels qu'ils n'ont pas les moyens en Ukraine de pouvoir le faire eux-mêmes. Voilà. Et Absolument. que ce scandale est en train de tomber pour le moment aussi, et Absolument. que ça va faire paniquer Macron, et que Macron, Absolument. dans sa panique, il va faire des erreurs encore plus, comme la quatrième Picousse, hein, qui est déjà bien active chez nous pour les plus de 65 ans obligés, plus les gens en difficulté de santé sont obligés de la faire. Il y en a qui commencent à dire non. C'est déjà une bonne nouvelle. Il y en a qui commencent à se poser des questions. Mais pire, c'est que Macron doit normalement annoncer la semaine prochaine le début de la quatrième dose vaccinale en France, étant Alors, donné qu'en Belgique, ça a été dit il y a 3 semaines. ils sont mal barrés, figure-toi, parce que là, il y a Bidon qui vient de dire que justement, la plandémie, peurdémie, plandémie était terminée et le Covid, c'est fini. Alors, Macron est dans tous ses états, à mon avis, parce que vu que Bidon vient de dire ça et qu'ils font partie de la même équipe, ça leur coupe les pieds dans le. Enfin, ça leur coupe les. Ils Le truc commencent à dans les. s'entredire. Ah ben Ils sont oui, plus non mais d'accord c'est entre eux. énorme. Ah mais ça, j'adore, j'adore. Ils vont commencer à se battre tous les deux. On a perdu Julie, hein, au passage. Désolée, je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref, on verra bien. Mais en attendant, figure-toi que Miklós Argoland, quand ils vont annoncer ça va pas être bien pris, étant donné que, un, les Picousés, deux fois ou trois fois, ils en ont ras-le-bol, et qu'ils ne veulent pas se refaire Picouser. Et que derrière, il y a l'annonce de Bidon qui dit que la pandémie, c'est terminé. Oui, c'est l'herbe qui est coupée sous le pied. Merci. Oui.
Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, ça Ça va va foirer, dégringoler. ça Ça va quatrième, dégringoler total. là le peuple va commencer à dire il y a un truc qui va plus du tout quoi. Ah ben Et oui, et oui, et oui, et oui, et alors oui. le problème de soi-disant la grippe du singe qui a fait que New York est en quarantaine, c'est grave ce qui se passe à New York, il y a 120 personnes contaminées, on met New York en quarantaine pour 120 personnes contaminées, soi-disant c'est une maladie. Ça commence à nous faire bien rire parce C'est que ça. à côté, tu as des petits pays à côté des États-Unis qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces Américains? On confine, on déconfine. Oh, mais une nouvelle maladie, on reconfine. C'est ça. C'est Or que énorme. la première maladie n'a même pas tué 1% de la population parce que pour mettre une personne, pour mettre un pays en confinement, il faut que la maladie tue 8% de la population, mais comment ils vont expliquer que ça n'a pas tué 8% de la population, quoi? C'est ça, exactement. Et par Ils vont devoir. contre, il y a des études qui sortent en ce moment et qui disent que la piquouse a tué beaucoup plus de gens que la pandémie Covid. C'est énorme. Ouais, C'est on a. énorme. Là, ils sortent le truc nec plus ultra. C'est-à-dire que les piquouses tuent beaucoup plus et font des gens malades beaucoup plus que le Covid en lui-même. Donc ça, les amis, ça. C'est un truc, mais c'est du feu de Dieu. C'est énorme. Alors, il y a encore un truc qui est très comique, c'est le ministre de la Santé au Canada a annoncé que cette année-ci, l'année n'est pas finie, hein. Mais en général, avant que le Covid existait, il y avait à peu près 5 000 garçons de 18 à 30 ans qui mouraient de crise cardiaque et que, voilà quoi. Et que de cette année-ci, ils sont passés de 5 000 d'un coup, à 50 000 personnes Ah. mortes de crise cardiaque. Eh ben oui. Mais ils comprennent pas le Oh. pourquoi. Ça fait Oups. 45 000 de plus. Comme par hasard. Oups. On s'est trompé. Oups. Ben voilà. Évidemment. Et alors attends, Non. l'histoire du Marburg. En Argentine, tu as vu, il y a eu une vidéo qui a fait le buzz. Eh bien évidemment, puisque ça fait peur. Tout va bien. Une vidéo qui a fait le buzz et qui dit oui, en Argentine, le Marburg, ça arrive, ceci, cela. Mon QR code, c'est pas du tout ça, les amis. Parce qu'à un moment donné, c'est les gens qui sont picousés, qui sont porteurs de ce putain de truc de Marburg. Pourquoi? Parce que c'est un effet secondaire du Marburg, de la picouse, pardon. Donc, allô? Trois secondes, les amis, Et la trois semaine secondes. passée, il y a un avion de Air France qui a dû se déposer en catastrophe. Il venait de décoller de Charles de Gaulle. Il a dû se déposer en catastrophe parce que le pilote avait eu une crise cardiaque Oui, suite à la piquouse. tout à fait, tout à fait. Après, il faut savoir que dans les avions, quand même, les pilotes, ils n'ont quasiment plus rien à faire parce que c'est tout automatisé. Ils peuvent être en pilote automatique, d'accord? Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vu que ces pilotes, ils peuvent avoir tout en automatisé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir un incident comme ça? Qui oblige un pilote à se poser, alors qu'en fait, ils ont tout en automatique et que logiquement, dans le cockpit, cockpit, tout peut bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Même si le gars, il est en. Voilà, il y a quelque chose quand même. Donc, c'est quand même incroyable qu'on ait ces informations-là aussi, quand même. Il y a quelque chose, les amis, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment. D'abord, tous les pilotes ont été obligés d'être picousés. Donc, du coup, ceux qui ont accepté, ben, évidemment, ils sont en danger, y compris, ben, surtout dans le ciel, à cause de la pression atmosphérique, etc. Il y a tout qui se... Le corps, quand il subit une accélération, une décélération, que ce soit dans une voiture ou dans un cockpit, dans un avion, et alors dans des hélicoptères, c'est encore... Voilà, aussi. Ils subissent des dégâts au niveau des organes et tout ça. Donc, ce qui a été injecté par les piquouses fait son effet. Et c'est pour ça que ça vient plus vite chez les pilotes que chez nous.
Vous comprenez? Mais moi, à un moment donné, je me dis, mais attends, ceux qui conduisent une voiture, ils vont réagir comment si à un moment donné, il y a le truc, tu te rends compte avec la 5G et tout ça? Si à un moment donné, ça s'accélère, etc., dans leur machin, il y a des pilotes de voitures, et plus d'avions, on ne parle plus d'avions, mais il y a des pilotes, enfin des gens qui vont conduire leur voiture, et il va se passer quoi? S'il faut des crises cardiaques pendant qu'ils conduisent, c'est de la Exactement. catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est à ça que je pense aussi quand même. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même un danger là, à ce niveau-là. Tu te rends compte? Ils peuvent plus respirer, ils peuvent plus conduire, ils peuvent plus être dans leur plein, comment ça s'appelle, dans leur plein pouvoir, dans leur pleine capacité. Tu es là? Tu es Oui, je là? suis là. C'est moi Voilà. ça. J'ai vu. Ils ne peuvent plus être dans leur capacité. Qu'est-ce qui va se passer au volant? Qu'est-ce qui va se passer sur les routes? Bon, c'est ça que je me demande. Et puis, il y a Voilà. Et voir les le fait conséquences quand que même. il y a des directeurs de la NASA qui a avoué à un journal que la Terre n'était pas ronde. Et il a expliqué le pourquoi. Et il a dit, la planète, elle tourne autour d'elle-même. Oui. Elle tourne autour du Soleil à une certaine vitesse. Le Soleil, bah, il se déplace aussi avec tout le système solaire, une certaine vitesse. Une vitesse très rapide. Vous prenez une boule à ballon en mousse. Vous l'imbibez de l'eau. Oui. Ça représente la Terre. Après, vous la faites tourner sur elle-même. Regardez ce qui va se passer. Bon, Tu ben as tout l'eau. dis-le-nous. Voilà. Tout l'eau va être éjectée dans tous les sens possibles et imaginables. Donc là, elle peut pas être consciente, elle peut pas aller vers l'intérieur, elle peut pas rester collée vers l'intérieur, elle sera éjectée vers l'extérieur. Ah Donc, oui. la planète ne peut pas être ronde, on ne peut pas être sur un morceau de planète où elle est toute ronde, où il y a de l'eau tout autour. Voilà. Eh oui. Et c'est ce Eh qu'il a oui. expliqué un directeur de la Ouais. NASA. Ouais. Le mec porte Oui, espoir. et puis regarde, les pilotes commencent à parler par rapport à la Terre plate et tout ça. Ils commencent à dire, ben oui, on le sait depuis longtemps, mais sauf qu'on n'avait pas le droit de le dire. Et donc, ils commencent à le dire. Ils commencent à dire que oui, effectivement, il y a un endroit où ce qu'on nous a raconté, c'est des mensonges. Voilà. Donc, ça va être chaud, hein. Mais David, on te reçoit très très vite, dans très très peu de Oui. temps aussi, parce qu'on n'a pas pu finir tout ce qu'on avait à développer. Mais Oui. on le sait avec toi, c'est voilà, c'est un continuum. On va tenir notre fil de conscience, notre fil d'histoire, et on te revoit très vite, David. Hein, d'accord? Bah oui, pas de souci. Et toi aussi? Ben oui, avec Alors, mais plaisir. j'ai pas vu tes vidéos hier, avant-hier, parce que c'était pas celle de hier, j'ai pas vu, et celle de dimanche, de vendredi non plus, parce que je préparais le truc. Je ne verrai pas jeudi non plus, parce Jeudi, que je ne suis pas là. Je ne suis tu pas là jeudi. n'es Jeudi, pas là c'est jeudi. mon. Non, jeudi, je suis en off. Allez. Ah ben dis donc, ton chat, il veut vraiment parler ou dire quelque chose parce que là, il y a quelque chose qui se Non. passe avec le chat. Hein. Vraiment, Oui, non, elle. soit il veut des caresses, soit il veut parler. Elle veut faire dodo avec moi parce qu'elle ne m'a pas vu pendant 48 heures. Ah ben voilà, J'ai c'est pour dormi ça. deux. Ah oui, tu lui as manqué, tu J'ai lui as manqué. pas dormi ici pendant 2 jours. Hein. Alors elle est en train de me Ah dire ben ce voilà. soir, hein, t'as peut-être la chienne là qui va dormir avec toi. Hein, parce que Ouais. j'ai récupéré la chienne d'une de mes tantes qui a des problèmes de santé. Hein. Là, je vais vous la présenter. Hop. Tu viens, Chanel? Bonjour, Chanel. Ah ben voilà Voilà. Chanel. Coucou Voilà, petite bouteille Chanel. française. Coucou Voilà. Chanel. Alors, elle dort Coucou. à mes pieds. La nuit, elle dort à mes pieds sur le petit lit que j'ai. Hein. Et Mossa, elle vient, elle se pose là et puis elle fait dodo et elle ne bouge plus, quoi. Oh Donc ben voilà, elle a fabuleux. hâte. Elle est fatiguée, elle a hâte. Donc, je ne vais pas tarder à aller faire dodo non plus. Parce que Allez, on c'est va deux pas tarder. journées Ben, c'est génial. épuisées. En tout cas, on se retrouve très vite, David, parce que là Ouais. maintenant, ça y est, l'année a repris, parce que nous, on est en année scolaire. Hein. Donc, pendant l'été, Oui. c'est les vacances.
Et en septembre, on reprend l'année. Donc, on se retrouve très vite, David. De toute façon, on se retrouve très vite. J'ai hâte de voir peut-être une soirée avec l'avocat, là, celui qui s'occupe des trucs juridiques. On le voit souvent le mercredi matin, là, pour le moment. Non, ce n'est pas un avocat, c'est un juriste. Un juriste. Pascal. Ouais. Demain, il est là. Demain, on est mardi, là. Demain, il est là. De 9h à 10h30. Voilà. Ouais, mais demain, il est là. C'est mon seul jour de congé demain. Et, mais tu pourras le voir en replay. Je vais le voir en replay parce que. Mais bien je vais, sûr. Demain matin, je dors. Et puis après, je vais aller me promener et je vais aller voir mes cousins Vince, Mary, Mathis et Mathias et m'occuper d'eux. J'ai besoin d'être avec ma famille. Voilà. Ben, pour tu m'étonnes. Profite pour bien, me ressourcer. David. Ouais. Et vous aussi. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Aidez les gens qui sont malades et qui veulent la peine d'être soignés. Lancez des énergies positives aux gens qui sont pas bien, qui n'ont pas une bonne santé. Je pense à Cheyenne. Je pense à la petite maman du groupe, hein, que tout le monde Soumaya. Connaît. Tout le monde, voilà. Soumaya. Tout le monde connaît. Je pense absolument. À plein de personnes qui m'envoient des petits messages en disant je suis pas en bonne santé, ma santé n'a pas été si ces derniers temps. Je leur dis bon courage. Aux gens qui m'envoient des messages et que je parle assez souvent avec eux, je leur dis merci, je leur fais des gros bisous d'être rentré dans ma vie. Hein. Et puis, normalement, pour les fêtes de Noël, je serai peut-être, pour le réveillon de Noël, je serai peut-être en France. S'il n'y a pas de couvre-feu, je serai mais à Lille. Mais où en France ? À Lille. Bah oui. Ah bah ouais, mais Lille, quoi. Tu vois, c'est pas Marseille, tu vois, parce que Lille-Marseille, ça fait quand même toute la France. Bon, bref. Oui, mais pour aller à Marseille, si moi je veux aller à Marseille, je dois prendre. Ou alors je vais à Zaventem, et là je prends l'avion, et ça va me coûter quoi, l'aller-retour 40, 45 euros ? À tout casser ? Magnifique. Parce que quand tu. Oui, j'ai déjà fait. Quand tu prends l'avion pour aller à Barcelone, tu payes à peu près 70, 75 euros. Donc, ça va être une quarantaine d'euros jusqu'à Marseille. Ah, écoute, en tout cas, si tu viens vers Toulon, tu es le bienvenu. Hein. Tu le oui, sais. Hein. Mais là, le week-end du 1er octobre, je ne sais pas venir parce que il y avait le procès, puis il y a plein de trucs que j'ai fait. Ah, mais non, il faut d'abord terminer ça, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et après, j'ai aussi les spectacles travestis que je fais pour récolter l'argent pour l'école Sourire, que je m'occupe plus d'autres écoles Sourire qui sont en difficulté, en France, hélas, parce que je viens d'apprendre qu'il y a 4 écoles Sourire en France. Dans le 62 et le 71, je ne sais pas où c'est, se retrouve le 71, qui sont menacés de fermeture parce qu'ils ont des graves problèmes de financiers et que Macron, lui, il n'aide pas les handicapés, il n'en a rien à foutre d'eux. Hein, ça, Non, mais attends, excuse-moi. Micro Sarkolande, il n'aide personne. D'accord ? Il n'aide que lui-même. Je veux dire, c'est ses intérêts personnels d'abord. Parce qu'il avait dit, ouais, zéro SDF. Et quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé en papaouté les SDF. Donc, je veux dire, avec PV, etc., etc. Donc, non, quoi. Non. Donc, lui, tout ce qu'il dit, c'est quoi ? C'est que du mensonge, de toute façon. Donc, on va s'arrêter avec lui, parce que moi, je ne peux plus le voir en peinture. En plus, il est passé par fraude, que ce soit en 2017 ou en 2022, là. Donc, non, stop. Je ne supporte plus, lui. Oh, il en a plus pour longtemps, il en a encore pour maximum 6 mois. Je le sais, t'inquiète pas, je le sais. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en attendant, moi je dénonce. Je sais qu'il va tomber, je sais qu'il va tomber, je sais qu'il va se faire blesser. Et je sais qu'il va être arrêté et mis en examen, donc t'inquiète. Mais évidemment, mais moi à mon avis il est déjà mort, hein. Il est sous l'Élysée, hein. Il est cryogénisé. Hein. Donc, non mais je veux dire, donc tu sais quoi pour l'instant, c'est un narratif qui se déroule. Bon, voilà. Et à nous d'être suffisamment clairs et dans la. C'est Raoult qui a dit entre la naïveté et le complotisme, il y a la lucidité. Peut-être qu'on fait partie des lucides. Voilà, on va terminer là-dessus.
Peut-être qu'on fait partie C'est des pas bon. lucides. Dans trois C'est à un six bon mois, les mot. amis, c'est fini. C'est terminé. Voilà. Peut-être qu'on est visionnaire, peut-être qu'on se trompe, peut-être que pas. Mais en attendant, il va se passer effectivement quelque chose de très chaotique, mais de voilà, ça va être très intense et très court, mais ça va se passer parce qu'il faut que ça se passe pour qu'on puisse construire un nouveau monde, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai la foi en ça. Voilà. Donc, restons Et lucides. un monde futur avec beaucoup plus de femmes qui seraient au pouvoir que d'hommes. Eh bien, parce que les femmes, elles n'ont tout juste pas été éduquées à faire la guéguerre. Les femmes, elles ont été éduquées à jouer la poupée. Donc, les femmes vont privilégier la famille, alors que les hommes privilégient la guéguerre. Et la guéguerre, on en a marre. On veut la paix, on veut la joie, on veut l'amour, on veut l'humain au centre et pas l'argent, le pouvoir et l'amour du pouvoir. On veut le pouvoir de l'amour. Et les femmes portent ce pouvoir de l'amour quand même. L'esprit et le côté féminin des hommes aussi, hein, attention, hein. Le pouvoir de l'amour peut être mis en avant de partout, hein, chez les humains. Voilà. Vraiment, qu'on soit homme ou femme. Homme ou femme, peu importe. Moi, Merci, David. je vous Oui, fais des vas-y. gros bisous à tout le monde. Bisous, David, et à très Et vite. On se reconnecte. allez vous ressourcer dans la nature, allez vous Absolument. balader. Absolument. Branchez-vous. Aux ions, aux protons, aux À la électrons, vibration de Gaïa. voilà. Et on monte, on monte. On n'est que en train de monter en ce moment, les amis. Donc ça ne fait que monter. Donc des gros 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 bisous, David. Je t'embrasse très fort. On embrasse notre Julie qui nous a quittés de manière Bisous improductive. Julie, je pense qu'elle est partie Voilà. dormir parce qu'elle n'est pas bien. Ben oui, elle était vraiment. Voilà. Donc des amis, les amis, je vous fais des gros bisous. On va clôturer comme ça parce que moi je suis crevée aussi après toutes les heures que j'ai faites là sur le live. Ces Donc, derniers temps. ah ben oui, c'est ça. Donc des gros bisous et David, on se reconnaît très vite pour refaire un live, d'accord? Ok. Gros bisous, je vous embrasse fort les amis. Bisous. Je vous mets pas de musique, on va clôturer comme ça, d'accord? À plus tard, David. Bon courage pour encore les témoignages que tu vas avoir ces prochains jours, hein. Oui. On est de tout cœur avec toi et tu reviens nous raconter, voilà, on se reconnecte de façon pour que tu reviennes nous raconter très vite. Yeah. D'accord? Allez, D'accord. super. Comme Gros bisous d'habitude. à tous. Gros bisous. Au revoir les amis. Au revoir. Au revoir.